Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent avec nous pour cet atelier Université 133 Économie et Développement Durable qui est aujourd'hui centré sur le thème « Penser la compétitivité économique en temps de crise ». Et c'est vraiment une réflexion sur les lignes de temporalité qu'on va mener tous ensemble parce qu'évidemment, ça suppose penser la compétitivité en temps de crise, de penser la crise et surtout de ne pas confondre les grandes lignes temporelles. On a peut-être grosso modo trois temps à bien examiner. Le temps des mesures d'urgence, des mesures de sauvetage économique en urgence, le temps ensuite de la relance, et puis à l'horizon, le temps d'imaginer, penser ce qui pourrait être un avenir meilleur. Il s'agit bien de ne pas confondre ces trois niveaux, et dans le même temps, de toujours garder comme un horizon, comme une asymptote, l'idée que la fin, le but, c'est bien cet avenir meilleur in fine. Donc, nous avons aujourd'hui 5 auditions que nous menons. Je vous présente donc nos 5 invités. Nous avons tout d'abord donc Marie-Pierre Védrenne, députée européenne, vice-présidente de la Commission du commerce international et membre de la Commission de l'emploi et des affaires sociales, qui a été auparavant directrice de la Maison de l'Europe à Rennes. Nous avons ensuite Jean-Jacques Jégou, trésorier du mouvement démocrate, président de l'IFED, ancien sénateur du Val-de-Marne et qui a été vice-président de la Commission des finances du Sénat, également ancien maire pendant 30 ans du Plessis-Trévise. Nous avons Bruno Millienne, député des Yvelines, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Lila Mirabet également, qui dans le Grand Est est vice-présidente compétitivité, innovation et numérique. Et Philippe Bollot, député du Maine-et-Loire et qui est membre de la Commission des affaires économiques. Donc, Christophe Bellon et moi, Christophe vient d'arriver à l'instant. Donc moi, je suis Olivia Le Boyer, je suis donc docteur en sciences politiques, Christophe est historien. Et donc, comme je le disais avant que tu n'arrives, Christophe, on va vraiment s'interroger sur les grandes lignes temporelles et leur enchaînement. C'est pourquoi on va d'abord commencer par un panorama historique sur les centristes et les politiques économiques dans un temps long, avant que Christophe ne passe la parole à nos invités et nous présente aussi les chercheurs avec nous aujourd'hui, notamment Christian de Boissieu, qui est un économiste éminent et dont l'éclairage sur ces questions va être pour nous très, très essentiel. Christophe, c'est à toi. Merci Olivia, bonjour à tous et à toutes. Je suis très, très heureux, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cet atelier économie et développement durable, qui est presque le huitième ou le neuvième atelier que nous avons organisé depuis le départ, depuis le début de cette aventure de l'Université 133. Et il est de coutume, au début de chacun des ateliers, de faire un exercice de généalogie politique, en quelque sorte, et en très peu de temps, en fait, de montrer comment les centristes se sont positionnés sur la question du jour. Alors, ce que je vous propose, en quelques minutes rapidement, eh bien, c'est de voir comment, sur les questions des politiques économiques en France, le centre s'est positionné, tant en matière, je dirais, numérique, les ministres au gouvernement, leur portefeuille, que en matière de singularité politique. Alors, je vais commencer par la Troisième République et je vais en finirai jusqu'au temps, de la Cinquième. Et Olivia, tu prendras peut-être le lien avec les temps très, très contemporains sur cette question-là. Alors, il est vrai que lorsque la République est installée durablement, c'est la Troisième République, l'État est libéral, il n'intervient pas en économie. C'est en quelque sorte extérieur à la culture républicaine. D'ailleurs, il n'y a pas de ministère de l'économie. Il y a un ministère des finances, il y a un ministère du commerce, mais il n'y a pas réellement de ministère de l'économie. Et si la Troisième République connaîtra une expansion importante, elle commence par une crise qui ne l'est pas moins, un peu les crises, la crise en quelque sorte, pas similaire, mais en tout cas dont les mécanismes sont particulièrement difficiles à surmonter. Comment les premiers centristes se positionnent par rapport à l'économie en temps de crise sous la Troisième République? Eh bien, en fait, ils vont accompagner les difficultés que va connaître le libéralisme à ce moment-là, et ils vont accompagner également la mise en place d'une forme de protectionnisme de l'État. En fait, au début de la Troisième République, ces centristes vont accompagner le lent engagement de l'État du point de vue de l'économie. Alors, on peut citer quelques noms, je pense notamment au ralliement de la bourgeoisie d'affaires à la République avec la personnalité de Léon C, qui est un homme politique de centre-gauche, qui sera député d'ailleurs des Basses-Pyrénées, député de Pau,
terre centriste, s'il en est. Et puis, à côté de Léon C., d'autres centristes d'inspiration diverse, comme par exemple Maurice Rouvier, qui est un spécialiste des questions financières et qui vient, lui, plutôt de ce qu'on appelle les opportunistes, le centre-gauche. Et puis, je vous disais, les centristes vont apparaître au gouvernement comme accompagnant l'intervention progressive de l'État en matière d'économie, avec notamment ce protectionnisme que l'on voit se mettre en place, notamment dans le domaine de l'agriculture, mais il touche d'autres secteurs de l'économie, avec Jules Méline, par exemple, et son relèvement général des droits de douane. On voit donc que, de part et d'autre, sous la troisième, même si l'État reste malgré tout très libéral, n'intervient pas considérablement en économie, les centristes accompagnent cette lente intervention et progressive en la matière. Alors, avec le début du XXe siècle, nous sommes toujours sous la Troisième République, l'État est toujours d'inspiration libérale, mais néanmoins, il intervient davantage dans deux directions. La première, sur le rachat des compagnies privées de chemin de fer. Et là, nous avons par exemple Poincaré, ministre des Finances, qui est un homme du centre et qui va vouloir intervenir et qui va accompagner le mouvement avec ses centristes d'intervention de l'État. Et puis, nous avons un autre domaine à ce moment-là dans lequel les centristes vont intervenir aussi, c'est la politique fiscale, c'est les grandes batailles de l'impôt. C'est l'institution en 1914 de l'impôt sur le revenu. Et là, nous avons un homme plutôt modéré qui vient du centre, qui va basculer dans le radicalisme politique, qui est d'ailleurs une position modérée à cette époque-là, c'est Joseph Caillaux, grande politique aussi centriste, issu des tendances modérées. Avec l'entre-deux-guerres, c'est les problèmes de reconstruction et les problèmes liés à la monnaie qui vont en quelque sorte mobiliser les politiques sur l'économique. Et là aussi, on trouve à nouveau des centristes qui vont œuvrer en la matière, notamment Poincaré qui revient au gouvernement et qui, pendant 3 ans, va mettre en place son fameux franc Poincaré qui va accompagner, être soutenu par une majorité centriste de la Chambre des députés ainsi que du Sénat. On se rappelle des questions sur le mur d'argent. L'État, en 1926, est presque déficitaire. Et puis finalement, les années 30, la fin de cette République, c'est les problèmes liés à l'inflation ou la stagflation, et on a une autre figure modérée entre 1938 et 1940 qui œuvre en la matière, qui est soutenue par des politiques centristes, qui est Paul Reynaud, qui œuvrera également sous la 4e et la 5e. Donc une 3e République où les centristes accompagnent cette intervention progressive de l'État en matière économique, un État qui au départ reste globalement très libéral et ne souhaite pas intervenir. Alors, avec le gouvernement provisoire de la République française, nous avons là aussi d'autres personnalités qui vont prendre le ministère, cette fois-ci de l'économie, simplement, qui est créé à ce moment-là. Je pense, pour la gauche, des personnalités très centre-gauche, comme Pierre Mendès-France, ou pour le centre-droit, René Pleven, et pour ceux qui désormais s'appellent les démocrates chrétiens, les centristes démocrates chrétiens, Robert Schuman, en 1946. Mais je dirais que les centristes et la question économique et financière, le grand moment pour eux, c'est la 4e République. Parce que lorsqu'on regarde ne serait-ce que les portefeuilles ministériels, donc au titre du nombre, le ministère des Finances s'appelle désormais Finances et Affaires économiques, donc désormais l'économie apparaît dans la titulature, et nous voyons un grand nombre de personnalités centristes les diriger. Alors, j'ai cité Robert Schuman, il revient en 1947, mais nous pourrions citer également d'autres personnalités un peu moins connues, mais qui ont joué un très grand rôle parmi les centres démocrates chrétiens au ministère des Finances. Je veux parler de Robert Buron, qui est élu en Mayenne, et de Pierre Pfimelin, qui est élu alsacien, qui vont œuvrer entre 1957 et 1958 dans ce ministère auquel, en raison de leur spécificité centriste, on leur agrège le ministère du Plan. Il faut retenir, je pense, de la 4e République, en plus du caractère mathématique, numérique des centristes au gouvernement, la spécificité qui est la leur. Ils vont tâcher, nous l'avons vu dans un autre atelier, de travailler la question économique en lien avec deux autres questions et très durablement, la question du travail et la question de la reconstruction. Et les trois ministres travailleront toujours ensemble sur les questions liées à la reconstruction, les finances, l'économie et le travail. On aurait pu citer sous la 4e ce qu'on peut qualifier de centristes, même s'ils sont très inspirés de la tradition libérale. Je veux parler d'une part de Paul Reynaud, on l'a déjà vu, mais également de
d'Antoine Pinay, puisque Antoine Pinay, entre 1952 et 1953, reste un grand président du Conseil en charge du ministère de l'Économie. Et c'est en quelque sorte un point rapide que je souhaitais faire sur cette question-là. Mais c'est vrai qu'ils ont à traiter de l'inflation, et cela durablement, de la hausse des prix, et qu'ainsi, donc, ils se créent une forme de singularité dans leur cheminement centriste au ministère des Finances. Arrive alors la Ve République. Et la Ve République est dominée, en tout cas à ses débuts, par, au ministère des Finances, des Affaires économiques, des centristes d'inspiration libérale, que ce soit Antoine Pinay, qui continue son ministère sous la Ve, mais également Valéry Giscard d'Estaing, qui le commence comme secrétaire d'État au départ et qui le continuera comme ministre de plein exercice. Et la politique économique de ce début de la Ve République est très liée à la planification. Les centristes n'ont pas beaucoup de place. Avant le milieu des années 70, avant que la crise pétrolière n'ait touché la France en quelque sorte, il n'y a pas réellement de centristes au gouvernement, au ministère économique et financier. Mais là où c'est très intéressant, et c'est la partie que je voudrais terminer avec vous là-dessus, c'est qu'au moment où précisément les centristes sont appelés à avoir quelques responsabilités gouvernementales en matière d'économie, c'est après 1973, c'est avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République, et c'est surtout sous le gouvernement de Raymond Barre, puisque Raymond Barre, qui est aujourd'hui, on assimile un centriste, est Premier ministre, ministre des Finances, mais à partir de 1978, laisse le ministère des Finances et de l'Économie à René Monory, qui est issu du Centre des démocrates sociaux et qui est un centriste. Sous le gouvernement d'Édouard Balladur, le ministre de l'Économie est donné à Edmond Alfandéry, qui lui aussi est issu du Centre des démocrates sociaux, avant que sous le ministère Juppé, au départ d'Alain Madelin, Jean Arthuis, lui aussi centriste issu du CDS, récupère le ministère. Il y a d'autres centrismes, notamment d'inspiration radicale qui ont été nommés dans ces périodes-là au ministère de l'Économie. Je pense notamment à Jean-Louis Borloo. Ou bien, même du côté socialiste, certaines personnalités qu'on peut qualifier de centristes. Je pense notamment à Jacques Delors, ministre de l'Économie et des Finances de 80 à 84. Donc, les centristes retrouvent une place importante au ministère de l'Économie et des Finances avec la période qui commence au milieu des années 70. Pour être tout à fait complet, on les trouve également souvent au ministère du Plan, quand le ministère du Plan est détaché des affaires économiques, notamment avec Jean Le Canuet, qui est ministre en charge du Plan sous le gouvernement de Raymond Barre, ou avec Michel Durafour, qui est ministre délégué auprès de Raymond Barre à l'économie et aux finances. Raymond Barre initiera d'ailleurs les secrétaires d'État rattachés au ministère des Finances, comme Pierre-Bernard Raymond, qui lui aussi accomplira ses missions de centriste au ministère de l'Économie. En plus de cette présence, il y a quelque chose de très intéressant qui, en 77-78, est observable. C'est finalement un programme que les centristes élaborent très précis, alors qu'ils n'en avaient pas élaboré jusqu'alors, sur la question du développement économique et social en période de crise économique. C'est à la suite de la création du Centre des démocrates sociaux que l'on s'aperçoit qu'on peut lire un programme, alors je vais le synthétiser parce qu'il est très long, mais au moins en deux grandes parties. D'une part, qu'est-ce que le développement économique pour les centristes? C'est d'abord une économie qui est compétitive, qui reste compétitive avec des interventions de l'État à la fois sélectives et concentrées. Par exemple, la relance des industries doit se faire par les investissements créateurs d'emplois, et l'avenir, disent les centristes, est aux industries de pointe. Il faut insuffler à l'industrie un esprit d'exportation. Ces interventions de l'État, sélectives et concentrées, cette économie compétitive, ils la voient comme devant absolument, c'est important je crois, établir la concordance entre la politique financière et la politique économique. Et comment établir une concordance entre ces deux politiques-là? Eh bien, en menant une politique active de la commande publique pour stimuler certains secteurs, et notamment la politique des agréments fiscaux ou la politique de détaxation sociale visant à orienter l'épargne des ménages vers les entreprises. Ça, c'est quelque chose qui apparaît très nettement dans le programme des centristes. Cette économie compétitive, comme ils la voient,
nécessairement est une économie qui doit être fondée sur la planification, une planification sélective et surtout décentralisée. Sans décentralisation, l'économie ne pourra pas réellement fonctionner correctement, en tout cas ne pourra pas être efficace. Enfin, quatrième point de cette économie compétitive, ce sont des entreprises capables d'investir et l'État peut les y aider. À côté, et j'en ai bientôt terminé, de cette économie compétitive, les centristes mesurent que l'économie doit être tournée vers le développement de la personne. La recherche de la compétitivité, disent-ils, n'équivaudra plus à une économie, n'aboutira plus à une économie de puissance, mais sera le moyen de créer des ressources nécessaires, en fait, à la promotion d'une économie orientée sur le développement de la personne. Alors, certes, il y a d'abord un triangle magique, comme il l'appelle. Qu'est-ce que c'est que le triangle magique? C'est la création d'emplois totalement nouveaux, l'amélioration de la qualité de vie et de l'environnement, du développement, qu'on n'appelle pas encore durable, mais qui permettra de créer ces emplois nouveaux et de créer tout court ces emplois en nombre dans cette crise économique. Et enfin, l'économie de l'énergie et des matières premières qui est nécessaire, là aussi, à ce système global de développement économique. Nécessairement, cette économie tournée vers la personne est tournée vers le plein emploi, mais on en est encore loin, ou plutôt on l'a quitté, plutôt vers un meilleur emploi. Alors, qu'est-ce que c'est que le meilleur emploi pour les centristes? C'est la valorisation, par exemple, du travail manuel, qui n'est pas suffisamment valorisé dans les politiques publiques. C'est également la spécialisation de notre industrie dans les productions d'avant-garde à haut coefficient technologique. Ça, c'est effectivement souligné et rappelé à plusieurs reprises. Et puis, naturellement, ce qui pousse également les centristes à proposer cette économie tournée vers la personne, eh bien, c'est de développer également les politiques d'artisanat, en lien avec les petites et les moyennes entreprises, et c'est ce que fera Jacques Barrot comme ministre des PME, du commerce et de l'artisanat à la fin des années 70. Vous voyez que ça, c'est en quelque sorte le programme synthétisé très rapidement, mais de l'économie compétitive comme la souhaiteraient les centristes. Il y a un aspect au titre de développement, presque de conclusion, c'est finalement la nécessité que cette économie française s'inscrive, s'attache à l'environnement économique et monétaire international. Et pour cela, il faut une politique économique extérieure ouverte, disent-ils, qui ne soit ni le protectionnisme, ni le libre-échange intégral, mais un libre-échange ordonné. C'est le terme et l'expression qui est proposée. Je passe sur les détails de la politique monétaire qu'ils souhaitent, mais ils souhaitent une politique monétaire internationale solidaire, notamment après la décision américaine de mettre fin à la convertibilité du dollar en or, qui crée d'ailleurs des bouleversements dans le système monétaire international. Et là, ils ont quelques propositions sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. Mais surtout, la construction de l'Europe et l'espérance à la future monnaie commune les poussent à imaginer fortement que cette économie nationale, eh bien, prenne le train de l'économie européenne pour qu'en quelque sorte l'économie sociale de marché, c'est exactement le terme qu'ils emploient, puisse être la spécificité de ces centristes-là par rapport à d'autres cultures politiques. Nous sommes à l'époque de la rédaction du programme commun qui cristallise les débats. Et puis, plus à droite, c'est la politique gaulliste ou néo-gaulliste qui est suggérée. Les centristes ont là une place à la fois géographique, mathématiques sur le nombre et programmatiques très importantes à mettre en place. C'est ce qu'ils proposent donc dans le cadre de ce programme que je viens de vous synthétiser très rapidement. Donc, un centre, des centristes sur trois républiques, pour conclure, qui finalement accompagneront toujours l'intervention de l'État, qui le feront de manière modérée, c'est-à-dire sur une politique qui leur ressemble, dans laquelle ils vont inscrire leur propre définition, comme je l'ai montré à deux ou trois reprises. Et puis, sous la cinquième, même si dans un premier temps, on ne les voit pas trop, avec la crise et avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, ils se créent en quelque sorte un domaine et un programme qu'ils vont avoir à cœur de décliner dès qu'ils se trouveront au ministère de l'Économie et des Finances. Merci beaucoup pour votre attention et je pense que nous pouvons enchaîner sur le centre et les aspects beaucoup plus contemporains de la question économique que nous avons aujourd'hui à traiter. Merci. Merci beaucoup, Christophe.
Je vais donc dessiner très rapidement la situation actuelle et la dessiner évidemment avec des traits nécessairement flous parce qu'on est dans un contexte de très forte incertitude encore, naturellement, pour indiquer qu'il y a un paradoxe dans toute crise et dans celle-ci peut-être encore plus criant, encore plus net. À la fois, annoncer une crise est évidemment quelque chose qui suscite la peur et on sait bien qu'en économie, il n'y a pas de question plus importante que celle de la confiance. Et là, à l'orée, à l'entrée de cette crise vers laquelle nous nous acheminons et qui semble devoir durer un certain temps, puisque les mots qui sont employés pour l'annoncer sont très forts, que ce soit les mots du gouvernement, les mots des entreprises, des partenaires sociaux. On parle de catastrophe, de risque d'écroulement, de crise la plus importante depuis un siècle, de temps bouleversé. Et on annonce cette succession des crises, crise sanitaire, crise économique, crise sociale, peut-être crise démocratique, comme concaténée, comme une sorte d'enchaînement presque logique, presque inévitable. Et donc, on sait bien que pour penser compétitivité économique en temps de crise, pour penser relance, pour penser solidarité, il faut recréer de la confiance, il faut absolument fabriquer de la confiance. Donc, on peut s'interroger sur les mesures qui sont nécessaires pour recréer de la confiance, quelles sont les mesures d'économie politique susceptibles de la faire ressurgir, mais il y a aussi la façon, la manière de les communiquer, de les annoncer. On sait bien qu'une mesure en elle-même, elle vaut aussi par la façon dont elle suscite justement la confiance. Quand une annonce de politique publique est faite, elle provoque un effet immédiat sur l'activité et c'est là qu'on voit qu'il y a confiance. S'il n'y a pas confiance, l'annonce de cette même mesure peut ne pas avoir l'effet souhaité. Donc c'est vraiment quelque chose de très délicat, un équilibre qui est extrêmement ténu et dur à trouver. C'est ça qu'on appelle l'art du bon gouvernement en politique, puisque les politiques ne sont pas tous économistes de métier, de profession, mais ils ont à faire passer cela. Parce qu'on le sait, le ressort de la vie économique, il est fondé sur des passions. Et évidemment, la peur, par exemple, c'est une passion, mais ce n'est pas une vertu en tant que telle. Donc, comment transformer cette peur en intérêt gérable dans le jeu social? C'est ça, en fait, que le politique cherche à faire passer. Et donc, le contexte actuel est évidemment très singulier. Il y a une incertitude extrêmement forte. Comme je l'avais dit donc, dès l'entrée de l'introduction, on a plusieurs temporalités que dans la panique, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre le temps de l'urgence avec le temps de la relance. Et donc, il faut raison garder, comme disait Christophe à l'instant, la modération, la raison, la réflexion. Et donc, l'art d'enchaîner les temps sont absolument essentiels. Donc, il faut vraiment veiller à présenter les choses dans le bon ordre, libre-échange ordonné, disait-on. Et puisqu'il s'agit aussi de parler, de dire certains mots, alors est-ce que les centristes aujourd'hui sont des libéraux? Est-ce qu'on peut parler facilement de libéralisme aujourd'hui dans un moment où on le sait en France, l'emploi du terme est toujours un petit peu compliqué parce qu'il est... il y a toujours spontanément des choses un peu fausses, des idées fausses qui viennent à l'esprit. Oui, certes, évidemment, les centristes sont des libéraux dans le sens où le libéralisme est pluriel et donc dans le sens où il peut également avoir une souplesse et une plasticité. Si on interroge aujourd'hui, que ce soit Jean-Noël Barrot, Patrick Mignola, se définiraient comme des libéraux rattachés sans doute au sens du libéralisme de John Stuart Mill au XIXe siècle, c'est-à-dire sans perdre de vue l'humanisme, sans perdre de vue la question de la résolution des inégalités. Et là, on aurait un substrat, quelque chose de fort dans le sens d'un libéralisme à la fois économique et politique. On parlait de relance. Est-ce qu'il y a beaucoup d'articles dans la presse qui disent on devient tous keynésiens aujourd'hui, Keynes est invoqué constamment. Keynes, il n'est pas anti-libéral, il se rattache lui aussi, si on veut, d'une certaine façon, à cette chaîne du libéralisme du 19e. Et si on voulait voir un héritage, que c'est toujours très, très difficile de plaquer des étiquettes et ça embrouille plus que nécessaire bien souvent, mais Keynes, ce n'est pas seulement le déficit dans l'urgence, c'est aussi et avant tout penser, organiser une société respectueuse des équilibres économiques, sociaux, environnementaux. C'est ça aussi que Keynes avait à l'époque déroulé, de bien voir équilibres économiques, sociaux, environnementaux reliés. Donc ces questions-là, elles sont des questions chères aux centristes, puisque naturellement, la question de la justice sociale, c'est celle-ci qui aujourd'hui, chez les centristes, est très débattue. Là, pour le coup, ce serait le libéralisme plutôt d'inspiration John Rawls, hein, tel qu'il l'avait à la pierre de touche de sa théorie de la justice, posé la question qui suscite ensuite de nombreuses controverses et de nombreux débats, mais la question comment avoir des inégalités les plus justes possibles, c'est-à-dire comment faire en sorte
qu'on ne creuse pas l'écart entre que la situation des plus défavorisés ne s'abaisse pas lorsque celle des plus favorisés, elle, s'accroît, que l'écart ne soit pas toujours croissant, mais qu'on pense toujours à ceux qui sont en bas de l'échelle, à ceux qui sont les plus défavorisés. C'est bien ça qu'a à cœur aujourd'hui le mouvement démocrate. On le voit dans les discours des uns et des autres dernièrement. Patrick Mignola a soutenu à plusieurs reprises que redémarrer le pays en annonçant des hausses d'impôts, ce serait vraiment un manque de culture économique, a-t-il dit récemment. François Bayrou a annoncé aussi à de diverses reprises que baisser les salaires de manière drastique serait contre-productif, car évidemment ça aurait un effet très fort sur le moral, ce serait d'une grande violence sociale. Donc cette question des inégalités justes, il faut y veiller. Naturellement, ça ne signifie pas d'agir dans le court terme sans penser aux effets sur le long terme, mais ça signifie à s'interroger sur ce qui est tolérable, ce qui est supportable, ce qui est acceptable pour une société à un moment donné. On parlera tout à l'heure. Alors, ce qui est bien, c'est que parmi nos invités, on abordera plusieurs des questions que Christophe et moi venons de soulever à l'instant et qu'on juge évidemment, nous et puis vous également, essentielles, puisque avec Marie-Pierre Védrenne, dans quelques minutes, on va parler de la nécessité de coordonner les actions, d'avoir justement au niveau européen une coordination nécessaire. On ne peut pas s'en sortir tout seul, on le sait, la France ne peut absolument pas s'en sortir toute seule. Donc on verra ce qui est imaginé, ce qui est encore en gestation, bien sûr, parce que je ne sais pas dans quelle mesure Marie-Pierre Védrenne pourra nous dire tout, parce qu'elle est au cœur de la machine, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui vont devoir mener ensemble. Ensuite, Jean-Jacques, lui, va nous dresser un panorama de la situation de la France sur un temps long, parce que bien sûr, une crise, elle survient à un instant T, elle prend tout le monde de court. Celle-ci, on ne l'avait pas vue venir, ce pangolin inattendu, mais elle n'agit pas de la même manière sur tous les pays. On le voit bien, la France et l'Allemagne sont confrontées à cette crise, mais elles n'ont pas la même résilience, si on veut employer ce mot très entendu en ce moment. Enfin, elles n'ont pas les mêmes déjà capacités, la même histoire, et non plus, elles n'ont pas la même rapidité dans la réaction. Parce qu'un plan de relance, on peut l'imaginer, mais à quel moment aussi est-ce qu'on choisit de l'annoncer et de le mettre en œuvre? La question des temps, elle est vraiment très importante. Comment choisir le bon moment? On va parler ensuite avec Bruno Millienne d'une question fondamentale pour les centristes, complètement essentielle, qui est que l'État ne peut pas, tout ne vient pas d'en haut, tout ne vient pas de l'État tout seul, et que la question du redéploiement économique, elle suppose une action concertée avec les territoires, et que nous, au Mouvement démocrate, on a justement cette question girondine très à l'esprit. Les territoires doivent évidemment imaginer en partenariat avec l'État les solutions, mais ça doit venir justement, pas seulement d'en haut. Enfin, vraiment, l'idée que l'État va faire descendre les solutions est totalement contraire à l'esprit que l'on porte. Et ensuite, donc Lila Merabet nous parlera de ce paradoxe-là aussi, c'est-à-dire c'est dans les grandes crises qu'on a le plus souvent aussi des innovations, des inventions, une formidable capacité à réagir et à inventer. Donc, spécialiste de la compétitivité et de l'innovation, elle traitera cette question. Et quant à Philippe Bollot, lui, il parlera de quelque chose qui, là aussi, est vraiment, vraiment, vraiment fondamental, qui est la question de l'évaluation des politiques publiques et donc ces mesures de politique publique, elles ne surgissent pas d'un coup. Il y a un temps ex ante de maturation, de concertation entre les différents partenaires pour les concevoir. Il y a le temps de les appliquer et il y a également le temps ex poste de l'évaluation. Et là aussi, on le verra, c'est la question des seuils qui, là aussi, est à la fois cardinale et compliquée. À quel moment on commence à évaluer, à quel moment on estime qu'une politique commence à avoir les premiers résultats. Est-ce que le temps court du politique, le temps court électoral, permet d'avoir toujours cette souplesse et d'avoir justement de coordonner le temps très long de l'économie et le temps très court du politique? Ce sont des très grandes questions. On est donc très heureux d'avoir un économiste comme Christian de Boissieux pour nous guider, sachant que les plus grands économistes et les plus sont aussi souvent les plus justement modestes, les plus humbles et reconnaissent que il y a une modestie devant l'histoire qui est la nôtre et que naturellement les solutions ne sont jamais livrées clé en main, que ce n'est pas en sortant telle ou telle école économique de son chapeau qu'on va résoudre. L'économie, c'est la compréhension fine et des grands systèmes, des grandes articulations et de l'humain, de l'intime. C'est pour ça qu'au cœur du Mouvement démocrate où cette question de l'humain est fondamentale, Christophe parlait tout à l'heure de qualité de vie, c'est bien ça qui est le plus délicat à saisir. Jean-Noël Barrot a dit aussi au moment de l'adoption des mesures d'urgence
qu'on ferait ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, les gens ont compris, quoi qu'il en coûte en termes d'argent, en termes financiers, c'est quoi qu'il en coûte aussi en termes d'efforts, en termes de solidarité, en termes de se serrer les coudes ensemble. Il va en coûter nécessairement, il va en coûter, ça va coûter et en argent, puisque la dette, évidemment, va atteindre des niveaux jamais imaginés. Et ça va coûter également en effort humain et en effort surtout pour ne pas laisser décrocher des catégories de la population ou des secteurs de l'économie par rapport à d'autres. Je vais passer la parole à Louis de Redon, qui est donc notre rapporteur de l'atelier économie et développement durable, qui lui est extrêmement spécialiste des questions d'environnement. Mais qui, évidemment, sur ces questions aujourd'hui, et notamment, qui aura sûrement beaucoup de questions pour Bruno Millienne notamment. Mais donc, Louis, je te laisse enchaîner. Merci, Olivia. Bonjour à tous. En tant que rapporteur, tout d'abord, je tiens à vous remercier effectivement de votre présence et de votre participation. Je crois que c'est l'atelier pour l'instant que je conduis où il y a le plus de monde, donc ça va être très intéressant. Merci à tous. Je remercie aussi Christophe pour les mots d'introduction avec ses rappels historiques qui sont toujours aussi passionnants. Voilà, d'apprendre sur sa famille politique, c'est vraiment un moment très agréable. Moi, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech à l'Université Paris 1, mais dans le domaine du droit de l'environnement. Donc, c'est vrai que le côté économique, ce n'est pas forcément ma spécialité. Donc, aujourd'hui, je serai peut-être plus dans le rôle d'un modérateur et d'un gardien du temple en termes de temps. Donc, je risque de faire le bad cop si certains dépassent un petit peu le temps qu'il aurait alloué. Je vous prie déjà de m'en excuser. Et pour le contenu scientifique, je m'en référerai, s'il le veut bien, à Christian de Boissieu qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, donc qui est professeur émérite à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes et ancien président du Centre d'analyse économique, donc voilà, qui nous permettra effectivement de bien cadrer les questions qui viendront après la prise de parole de chacun qui se déroule dans un premier temps. Il y aura aussi Blandine Poncellini qui nous rejoindra, qui est aussi professeure au CNRS et qui a un petit peu de retard, qui m'a demandé de l'excuser, mais qui nous rejoindra en cours de route. Donc, l'Université 133, l'idée, je pense qu'on commence tous à être un petit peu familiers avec ce projet de Jean-Noël Barrot, c'est de réfléchir ensemble donc, sur les grands enjeux du XXIe siècle de manière macro en tant que centriste. Donc voilà, Christophe a fait un petit focus sur notre histoire, et là maintenant l'idée c'est en tant que centriste se projeter dans l'avenir en identifiant un certain nombre de principes qui vont nous permettre de structurer notre pensée dans différents domaines au XXIe siècle qui peuvent amener un certain nombre d'interrogations, et évidemment le développement durable en est un. L'idée, c'est d'établir un cadre cohérent pour que nous puissions ensuite formuler dans les mois à venir des propositions concrètes qui s'inscrivent dans le cadre de ces grands principes qu'on aura pu identifier. Qu'est-ce que la famille centriste finalement a apporté sur cette question du développement durable ? Et on l'a vu dans l'histoire avec Christophe, la famille centriste a beaucoup apporté sur beaucoup de sujets, mais dans le domaine du développement durable et aujourd'hui dans le cadre effectivement de la compétitivité économique, sachant qu'on prend le développement durable dans la plénitude de sa définition, c'est-à-dire c'est un développement économique, un développement social, un développement environnemental, c'est la conciliation de ces trois objectifs. Et évidemment, la compétitivité peut impacter ces trois composantes. Se poser la question aussi de savoir, quelque part, si cet apport que l'on peut formuler est indispensable, et si oui, pourquoi ? C'est-à-dire, si la famille centriste que nous représentons ne met pas l'ouvrage sur le métier, quels sont les risques que l'on encourt dans cette transition écologique qui sera forcément structurante des politiques publiques des prochaines dizaines d'années ? Donc, identifier les dangers aussi, ça fait partie de l'objectif de cette université 133, alors qu'il me semble quand même que les écueils d'un développement non durable pour notre société, que ce soit en termes économiques, social ou environnemental, sont importants. Et que malheureusement, ces écueils qu'on pourra identifier, souvent, peuvent s'affirmer au préjudice de notre vision de société,
qui est, comme le disait Olivia, une vision humaniste et démocratique de notre développement. Donc, on a identifié déjà dans le domaine du développement durable un certain nombre de sujets qui peuvent impacter cette transition écologique et où nous, centristes, nous pouvons apporter notre pensée. C'est tout d'abord la question du respect de la dignité humaine, la question de la rationalité, du partage juste et équitable des ressources, l'idée de raison, la question de la décentralisation aussi, qui est importante. Vous voyez le mot de Girondin tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose qui définit notre famille politique et qui est au cœur, on le voit aujourd'hui avec la crise, au cœur de la transition que l'on doit mener. La construction européenne, évidemment. L'idée de modération aussi, en disant que il faut peut-être pas tout jeter, tout casser, qu'il y a certainement des évolutions à faire, mais que finalement cette transition doit être plutôt une évolution plutôt qu'une révolution. La place des sciences et des sachants. Alors quand on a commencé effectivement l'université 133, on n'imaginait pas à tel point cela deviendrait, si je puis dire, un sujet brûlant d'actualité. Aussi la question du suffrage universel, qui nous l'aurons pas, peut être remis en question à un moment donné, alors qu'on le voit que les crises peuvent emmener très rapidement des régressions importantes en termes de liberté. Alors évidemment, cette liste elle est totalement amendable, mais l'idée, voilà, c'est de voir comment ces patterns qui sont liés à notre famille politique peuvent s'inscrire dans les enjeux de développement durable, et donc particulièrement aujourd'hui en ce qui concerne le développement économique et la compétitivité. Que ça soit donc au niveau européen, et donc on aura Marie-Pierre Védrenne, que je remercie de sa participation, que ça soit aussi en termes d'objectifs, comment trouver la compétitivité, la performance avec Jean-Jacques Jégou, que je salue aussi, que ça soit aussi dans les territoires, on parlait de décentralisation avec Bruno Villienne, mais aussi de l'innovation, et Dieu sait qu'elle a une importance très très importante avec Lila Merabé, et enfin, quand on met en place des nouvelles politiques, aussi ambitieuses soient-elles, aussi nécessaires soient-elles, la question de l'évaluation des politiques publiques aujourd'hui est évidemment centrale, avec Philippe Bollot, que je salue aussi. Voilà, donc je ne vais pas faire trop long, je vais passer rapidement la parole à Marie-Pierre Védrenne. Je termine en rappelant, voilà, que nous sommes en direct sur YouTube, que les travaux d'aujourd'hui feront l'objet d'une retranscription écrite qui ensuite seront réorganisés dans un rapport développement durable qui sera structuré en fonction des différents apports qu'on aura eus. Et vous dire, voilà, qu'on va essayer de tenir le timing parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont des obligations après, et donc l'organisation est la suivante. C'est, on a cinq orateurs aujourd'hui que je viens de citer, c'est un quart d'heure de prise de parole, et puis on posera les questions ensuite. On aura une demi-heure, trois quarts d'heure d'échange sur ces questions-là, avec le concours de Christian de Boissieu, que je remercie bien évidemment pour cette disponibilité encore une fois. Voilà, écoutez, je vous remercie et je passe donc la parole à Marie-Pierre Védrenne, qui est donc députée européenne. Bonjour à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Comme vous l'avez souligné dans votre introduction respective, tous les trois, effectivement, la famille centriste, elle a été toujours aussi caractérisée par son ouverture et son attachement à l'Union européenne. Donc, je pense que la présence et la sollicitation des députés européens du mouvement démocrate à chaque événement le démontre bien. Donc, merci déjà de cette proposition d'être à vos côtés aujourd'hui, pour aborder justement un petit peu ce qui a été fait à l'échelle de l'Union européenne et justement cette nécessaire coordination à l'échelle de l'Union européenne, parce que cette crise, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Olivia, c'est une crise aussi différente des crises économiques et financières que l'Union européenne a pu connaître par le passé. On ne peut pas reprocher justement à la mauvaise gestion des deniers publics aux Italiens, aux Grecs ou aux Espagnols. Mais là, il s'agit bien d'un virus qui se propage dans toute l'Union européenne, qui ne connaît pas de frontières. Et il nous faut donc une réponse européenne à la hauteur
pour protéger notre marché intérieur et pour pouvoir garantir des politiques de relance. Je rebondis justement sur ce qui a été dit par Olivia tout à l'heure sur les temps. Je vais du coup faire un petit retour en arrière justement sur les mesures d'urgence qui ont été prises par l'Union européenne. Parce qu'au début de la pandémie, on a aussi beaucoup entendu que l'Union européenne n'était pas forcément au rendez-vous. Alors, je ne vais pas revenir sur la gestion de la crise sanitaire, sur l'absence de compétences de l'Union européenne, mais vraiment sur le volet justement économique. Il y a des mesures d'urgence qui ont été prises, notamment, je pense à la souplesse du pacte de stabilité et de croissance, dont on parle très régulièrement aussi en France. Donc, c'est important de noter qu'il y a eu tout de suite cette volonté de remettre les cartes sur le pacte de stabilité et de croissance, la réforme du semestre européen qui justement doit garantir davantage de convergence économique et sociale. Il y a eu aussi au Parlement européen, on a voté pour la réorientation et davantage de souplesse dans la gestion de nos fonds structurels justement dans nos régions. Je vous donne un exemple très concret, dans ma région en Bretagne, nous avons pu financer par des fonds régionaux, l'achat de masques et l'achat de gel hydraulique, parce que justement, il y a eu cette volonté d'avoir davantage de souplesse dans les règles des fonds régionaux. Donc, ça s'est matérialisé concrètement par des réponses aux attentes qui étaient celles du début de gestion de crise et qui sont encore à l'heure actuelle. Et puis, il y a toute l'action qui a été mise en place dès le début aussi par la Banque Centrale Européenne et qui se poursuit à l'heure aujourd'hui, parce que dès le 18 mars, dernier, il y a eu un programme d'achat d'urgence qui a été mis en place par la Banque Centrale Européenne, prorogé là et avec de nouvelles annonces le 4 juin, donc très récemment, pour atteindre 1 350 milliards d'euros. Donc il y a eu une réponse dans l'urgence qui a été mise en place par l'Union européenne. Et maintenant, comme le soulignait Olivia, il s'agit de bâtir le plan de relance et il s'agira ensuite justement de dessiner le chemin vers lequel nous voulons tendre et quel modèle européen nous voulons dessiner dans un contexte international très, très difficile. Donc, sur le plan de relance, très, très brièvement, et déjà préciser tout de suite que, certes, nous avons eu la proposition franco-allemande, nous avons maintenant la proposition de la Commission européenne, mais il reste encore à le valider par l'ensemble du Conseil européen. Donc, ce que je vous dis à l'heure actuelle et aujourd'hui ne sera peut-être pas validé dans son entièreté par le Conseil européen. En tout cas, du côté du Parlement européen, notre volonté, elle est très claire, qu'il y ait un plan de relance qui soit à la hauteur, qui soit ambitieux et qui permette justement d'assurer les transitions, notamment la transition écologique, mais toutes les questions relatives aussi à la transition du numérique. Pour nous, c'est capital justement que ce plan de relance accompagne toutes nos entreprises, toutes nos PME, mais aussi nos agriculteurs, nos pêcheurs, pour assurer véritablement cette relance et cette transition à la hauteur du choc que nous vivons à l'heure actuelle. Donc ce plan de relance qui a été proposé par la Commission européenne, qu'on appelle Next Generation, parce que la Commission européenne et la présidente Ursula von der Leyen, dans son intervention au Parlement européen, a bien précisé que, alors, je ne sais pas si effectivement on doit parler de choc, de crise, quel terme on doit employer par rapport au coronavirus, mais que cette crise est le combat de notre génération. Quand on a construit l'Union européenne, il y a eu d'abord un combat pour assurer justement la paix, et puis il y a eu après assurer l'unité européenne, et là, nous devons être davantage unis pour pouvoir répondre au choc du coronavirus. Donc, c'est pour ça qu'ils ont baptisé ce plan Next Generation. C'est un plan de 750 milliards d'euros qui est à la fois divisé entre des crédits et à la fois entre des subventions. Et je vais rebondir aussi sur ce que disait Olivia tout à l'heure par rapport à l'acceptation de ce plan par tous les États membres de l'Union européenne. Elle a prononcé pour moi un mot essentiel, c'est celui de la confiance. Et on voit dans les débats que nous pouvons avoir à l'heure actuelle justement sur ce plan de relance, que la confiance, elle doit être au cœur. Parce que si nous avons justement des débats, et parfois houleux, avec certains de nos camarades venant des pays dits les frigos, donc l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark, c'est justement parce qu'il y a sûrement une problématique de confiance. Et que si certains
pense qu'on ne met en place que des subventions, elles seront mal utilisées dans certains États membres, etc. Donc la confiance, elle doit, je rebondis sur ce qu'a dit Olivia, parce que je pense que c'est essentiel. Il y a la confiance aussi à bâtir entre les partenaires européens, qui n'est peut-être pas encore suffisamment présente et qui fait que nous faisons face encore à l'heure actuelle à certains blocages chez nos partenaires. Mais en tout cas, ce plan de relance, moi je le salue parce qu'il est ambitieux. Il va plus loin que les propositions franco-allemandes. Il est en deçà des ambitions du Parlement européen, où nous voulions un plan à 1 000 milliards d'euros. Mais la chose positive dans ce plan, c'est qu'il y a justement une partie de subvention. Il ne s'agit pas seulement de prêts. Ce qui est nouveau aussi, c'est que véritablement, c'est la Commission européenne qui va aller emprunter sur les marchés au nom de toute l'Union européenne. Et ça, c'est important. Et puis, on est en train de... la Commission européenne définit aussi justement la temporalité, jusqu'à quand les États devront rembourser la Commission européenne, dans quelle mesure. Donc là, on a énormément de débats, mais au moins, on a un cadre riche qui est fixé par la Commission et poussé par le Parlement européen. Donc, il faut attendre le prochain Conseil européen pour voir si véritablement l'Union européenne sera au rendez-vous. Une chose importante aussi dans la définition de la suite et dans la proposition de ce plan européen, c'est toutes les questions relatives aux ressources propres de l'Union européenne. Parce que justement, si on veut une Union européenne qui soit à la hauteur et qui ne fasse pas face aux égoïsmes nationaux et à de tels débats à chaque situation difficile, il faut au budget européen des vraies ressources propres. Donc il y a des propositions qui ont été faites dans ce plan, notamment avec un mécanisme d'ajustement aux frontières. Donc là, ça reviendra aussi à débattre des questions relatives au développement durable. C'est une proposition qui, du côté du Parlement européen, nous trouvons extrêmement intéressante. Il y a des propositions qui sont faites aussi sur une taxe sur les services numériques. Donc là aussi, ça répond à tout ce que vous avez évoqué, la question de la justice sociale, c'est-à-dire que les géants du numérique, les fameux GAFAM, ils puissent contribuer, eux aussi, à la juste mesure, justement, à la relance européenne. Donc il y a des propositions dans ce plan de relance qui sont extrêmement, pour nous, intéressantes, aussi sur le volet des nouvelles ressources propres. Je ne veux pas être plus longue, parce que là, je pense que je répondrai à vos questions sur le plan de relance, mais du coup, sur le troisième temps qu'évoquait Olivia, justement sur la suite. Et sur le volet, parce que vous avez beaucoup insisté, M. Bellon, aussi sur justement le libre-échange. Et donc, moi, je suis vice-présidente de la Commission du commerce international. Et souvent, justement, on me dit que je suis une libérale, que c'est abominable. Et on voit que, effectivement, sur la question des accords de libre-échange, on a souvent des débats passionnants, mais passionnels. Et qu'il faut retrouver justement la raison pour aborder ces questions-là. Et tout notre travail, ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, c'est justement de passer d'accords de libre-échange à de véritables accords de régulation. Et c'est en tout cas ce que défend le mouvement démocrate aussi au sein du Parlement européen et le travail qu'on essaye de mener. Et forcément, le Covid, il a un impact sur notre économie, mais aussi sur le commerce mondial, parce que du fait des mesures de confinement sur la scène internationale, il y a eu une contraction des échanges. Je vous donne quelques chiffres qui sont de la Direction générale du commerce de la Commission, des estimations. Une baisse du commerce mondial pour 2020 entre 10 et 16%. Et pour l'Union européenne, donc à 27, une baisse qui devrait se situer entre 9 et 15% pour nos exportations et entre 11 et 14% pour nos importations. Donc, forcément, ça a aussi un impact sur la croissance européenne parce que nous exportons, et certaines filières exportent énormément. Donc, il faut définir justement la nouvelle vision et ce qu'on veut porter dans le commerce international. On voit que toutes nos chaînes de valeur sont à reconstruire. Ce choc qui nous a montré aussi notre dépendance vis-à-vis de la Chine et la place prise par la Chine sur la scène internationale. Donc l'Union européenne se doit de définir justement son nouveau modèle. Et là aussi, je crois que le mouvement démocrate l'a toujours porté, a bien conscience que c'est à l'échelle de l'Union européenne que la définition et que la notion de souveraineté, la question de l'autonomie stratégique, elle doit se poser
aussi. On ne doit pas se tromper d'échelon, on doit bâtir une Union européenne beaucoup plus souveraine et qui soit en capacité justement de défendre ses intérêts, de défendre son modèle social de marché face aux États-Unis et face à la Chine. Donc c'est ce que nous essayons véritablement de mettre en place au sein de la commission du commerce international. Il y a des choses qui bougent, je tiens à le souligner, parce que avant, on demandait à nos partenaires européens sur le volet commercial, sur les instruments de défense, d'être plus réactifs, d'être plus cohérents, d'avoir une Europe entre guillemets un peu plus puissante. Ce n'était pas quelque chose forcément d'automatique. Parce que justement, quand les Français portent au Parlement européen cette notion de souveraineté, c'est souvent perçu comme « Ah, ils vont nous mettre en place des mesures protectionnistes ». Donc, il faut trouver ce juste équilibre et il faut parfois justement sortir des difficultés de polarité justement sur les éléments de langage pour construire cette souveraineté européenne. Donc, c'est ce qu'on essaye de porter. Et je crois qu'il y a des choses qui bougent. Quand l'Union européenne annonce qu'elle veut renforcer le mécanisme des filtrages des investissements étrangers, c'est justement la place de ces comportements prédateurs. Face à une relance, on peut avoir des États ou des fonds de pension, etc., qui n'aient pas les mêmes ambitions que nous quand ils veulent racheter des entreprises. Donc là, l'Union européenne agit sur ces questions et c'est extrêmement, extrêmement important. Et puis, pour conclure là, parce que je veux pas être trop longue, c'est aussi toutes les questions relatives à la réciprocité, ce qu'on essaye de porter. La réciprocité, justement, dans nos normes de production, mais aussi sur le développement durable, parce que vous l'avez abordé, c'est comment on construit l'avenir et comment on bâtit une société qui soit plus résiliente. Donc ce qu'on porte aussi au Parlement européen, c'est faire en sorte que les accords de Paris, qui nous fixent aussi un cap, soient véritablement toujours pris en compte dans nos accords commerciaux. Donc il y a des lignes qui bougent au Parlement européen, il y a des lignes qui bougent à la Commission européenne. Et c'est notre rôle, justement, de définir d'abord nous où nous voulons aller pour pouvoir faire en sorte que, justement, ce chemin soit celui qui soit ensuite emprunté par toute l'Union européenne et par la Commission européenne. Merci, Marie-Pierre. C'était effectivement très intéressant. Et puis, c'est vrai que cette question des échanges, et puis après la question du libre-échange, qui pour moi n'est pas tout à fait la même question, est absolument sous-jacente de beaucoup de crispations qui peuvent exister aujourd'hui. Donc, c'est effectivement quelque chose de passionnant. Et puis, c'est vrai que pour notre famille politique, on a plutôt tendance, je pense, à s'inscrire du côté du multilatéralisme que de l'isolationnisme. Et effectivement, on a vu les limites du modèle tel qu'il est aujourd'hui, mais peut-être qu'il mérite d'être amélioré par toutes les questions que tu viens de soulever, mais peut-être pas d'être remis en cause dans sa globalité. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'on peut porter. En tout cas, merci pour le respect du temps. Je n'ai pas eu à faire le bad cop ce coup-ci. Et donc, je passe tout de suite la parole à Jean-Jacques Jégou pour nous parler de la question de la compétitivité, de la performance et surtout comment les retrouver dans ce contexte-là. Bonjour à tous. Eh bien, très heureux, en tout cas, d'être là dans cet atelier qui a un spectre large. Et je pense que nous aurons l'occasion d'ailleurs de répondre aux questions, certainement, j'espère qu'il nous restera du temps. Je voudrais simplement revenir au préalable sur l'intervention de Christophe. Moi, je ne me lasse pas des interventions de Christophe historiques et en même temps qu'il nous rappelle d'où nous venons quelquefois. Et puis cette fois-ci, j'ai été un peu plus sensible que d'habitude parce qu'il a agité le petit livre bleu. Le livre bleu qui s'appelle donc L'autre solution, qui a été un travail auquel j'ai participé à l'époque en tant que jeune militant, pas pour grande part, mais en tout cas nous avions été consultés. Et en tout cas, L'autre solution disait que nous étions libéral, social et européen. Les choses n'ont pas nécessairement beaucoup évolué puisque nous revendiquons toujours de ces trois qualificatif, et on verra peut-être tout à l'heure à plusieurs reprises, on a abordé la multisignification du mot libéral qui finalement est souvent mal vu parce que
On a souvent vu dans le libéralisme l'ultralibéralisme et quelquefois les contradictions même de l'ultralibéralisme. Donc, je voudrais également parler de la temporalité dont a excellemment parlé Olivia, que bien sûr, souvent, quand on prend des mesures économiques et quand on discute avec des chefs d'entreprise sur les décisions gouvernementales prises ici et là à l'occasion des lois de finances, on va dire, mais on a besoin de temps, parce qu'une entreprise a investi 5, 10 ans, etc. Et souvent, ce temps, nous ne l'avons pas eu. Alors, nous ne l'avons pas eu parce que le pays a été victime de soubresauts multiples et variés, d'abord révolutionnaires, guerrières, et puis ensuite les alternances politiques. Donc, on a tout eu qui n'ont pas permis, finalement, quelquefois, d'asseoir une politique économique et d'avoir une vérification de sa pertinence. Alors, moi, je voudrais, dans le temps qui m'est imparti, essayer d'indiquer, tout au moins dans les décennies qui nous ont précédées, et celles que j'ai particulièrement connues à l'Assemblée nationale et au Sénat, la situation qui a été la nôtre et qui fait une spécificité de l'économie française, qui est quand même tout à fait particulière et quelquefois, lorsqu'on veut se comparer aux autres, c'est un peu difficile parce que les avancées sociales, on parle souvent des inégalités dans notre pays et on a l'occasion de en parler. Encore aujourd'hui, j'entends parler de savoir, aujourd'hui, maintenant, après savoir qui était pauvre, maintenant, on se demande qui est riche et on a défini aujourd'hui, d'ailleurs, un niveau de richesse qui est au-delà de 4000 euros, ce qui peut vraiment, être sujet à discussion. Mais en tout cas, cette adhésion du peuple français à l'économie, son fonctionnement, ses règles, ont toujours été un peu survolées, ce qui a fait que les Français n'ont pas toujours compris l'utilité de cette politique économique et la nécessité de son efficacité. On a abordé tout à l'heure le fait que dans l'histoire, Christophe l'a dit, dans l'histoire, plusieurs gouvernements, à plusieurs reprises, à plusieurs époques, ont essayé d'intéresser les Français à l'économie, les faire devenir actionnaires. Or, on sait bien encore aujourd'hui que c'est epsilonesque le nombre de Français, je crois qu'il y a 2 ou 3 millions de Français, et encore à peine, qui sont porteurs d'actions au titre individuel. Ce qui, bien sûr, à l'aune des crises et la dernière crise de 2008, a achevé les quelques épargnants volontaristes que nous possédions encore dans notre pays. Alors, moi, je voudrais simplement peut-être dire quels sont les principes qui pourraient être définis par une économie, une performance, la compétitivité, comme on dit aujourd'hui. Sommes-nous compétitifs? Alors, il y a, depuis les débuts de la Ve République, une idée qui a été d'ailleurs assez sournoise, qui a fait que finalement notre économie, peu ou prou, sans que les gouvernements qui se sont succédés ont souhaité la définir comme telle, nous avons opéré une désindustrialisation de notre économie au bénéfice des services. En considérant, je rappelle que, je ne citerai pas son nom pour ne pas être trop cruel, mais un chef d'une grande entreprise, je ne dirais pas un grand chef d'entreprise, un chef d'une grande entreprise a tout simplement, à un moment donné, d'ailleurs au moment de la crise, après la crise pétrolière, la première crise pétrolière, a dit que lui, il se faisait fort finalement de faire de l'industrie sans usine. On a bien vu que d'ailleurs ces usines, puisqu'il s'agissait quand même d'Alcatel, a fini par disparaître et maintenant nous allons nous fournir chez les Chinois. Donc cette idée qui n'a jamais été combattue nous a conduit tout de même à ce que notre pays se désindustrialise gravement et je ne serais pas suffisamment cruel pour rappeler ce que nous venons de vivre
avec la dépendance qui était la nôtre en matière de santé, essentiellement, des masques jusqu'aux tests, et surtout dans l'industrie de santé, des médicaments. Aujourd'hui, et je suis bien placé pour savoir que de façon hebdomadaire, nous avons maintenant des ruptures médicamenteuses de médicaments extrêmement utiles aux Français qui, purement et simplement, lorsque vous allez chez votre pharmacien, dit, écoutez, on est en rupture, on ne sait pas quand est-ce qu'on en aura. Alors, quand vous avez quand même des médicaments qui sont indispensables, ça peut poser problème. Donc, aujourd'hui, nous sommes un pays de services. Nous avons notre industrie qui a chuté gravement. Et je ne donnerai pas de chiffres précis parce que nous avons Alexandre Boissieu qui me ferait des gros yeux si j'étais relativement inexact, mais je crois que ça sera facilement vérifiable. Alors, dans les fondamentaux d'une économie performante, il y a d'abord à savoir, dans la création de richesses, est-ce que nous créons suffisamment de richesses? Je pense que c'est là un des points où nous pêchons, puisque n'ayant plus assez d'industrie, ayant essentiellement des services, nous importons énormément, et ceci est très coûteux, puisque notre balance commerciale est gravement déficitaire. Je pense que nous sommes dans les 70 à 80 milliards de déficit de balance commerciale, et ça depuis d'ailleurs un certain nombre de décennies, sans que ça gêne qui que ce soit, tout au moins dans l'opinion publique ou dans les politiques. Donc il faut créer des richesses, et pour la première fois, peut-être déjà un peu avant la crise, un discours à l'intérieur du gouvernement s'est fait jour en disant qu'il faudrait peut-être qu'on recrée un certain nombre d'activités industrielles, de produits que nous sommes peut-être à même de fabriquer, puisque en fait, on voit bien que l'exemple de l'Allemagne, qui elle a su garder une industrie de haut de gamme, qui aujourd'hui a une valeur ajoutée extrêmement, extrêmement importante. Alors, la création de richesses. Nous ne créons pas suffisamment de richesses, nous n'avons pas suffisamment d'entreprises, et à ce titre-là, je profiterai pour glisser, puisqu'on l'a abordé tout à l'heure, le discours sempiternel que j'entends depuis ma tendre enfance, ça fait quand même maintenant un certain temps, sur la nécessité de la revalorisation de l'apprentissage, du travail manuel, comme on disait à l'époque, et aujourd'hui, c'est d'ailleurs assez cruel, que nous étions au bord de commencer à réussir ce développement de l'apprentissage lorsque le Covid est arrivé. J'espère que le gouvernement d'ailleurs a repris un certain nombre de mesures pour maintenir le développement des apprentis en France. Et j'espère qu'on gardera en tout cas une augmentation des apprentis. Et en même temps, je crois qu'il y a... par rapport à ce manque de possibilités de créer des richesses, nous avons créé aussi un environnement social extrêmement pénalisant. Je ne voudrais pas rappeler le problème des 35 heures, puisque d'aucuns disent qu'il est maintenant derrière nous, puisque lorsque les 35 heures sont intervenues, il y avait déjà... belle lurette que les plus grandes entreprises françaises étaient peu ou prou aux 35 heures, mais ça a surtout perturbé, bien sûr, le tissu de petites et moyennes entreprises et accéléré peut-être la disparition de certaines d'entre elles, n'a pas créé les emplois auxquels on s'attendait et surtout stabilisé, voire même maintenu les salaires qui sont aujourd'hui nettement en dessous du niveau de nos partenaires européens. Sur le plan des 35 heures, là aussi, je voudrais faire quelque chose de prospectif puisque nous avons ce plan santé, ce Ségur de la santé dont nous allons entendre parler le mois prochain. C'est sûr que c'était une très mauvaise idée d'appliquer les 35 heures dans les hôpitaux puisqu'on a oublié de penser que les malades étaient malades 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Donc, on a entamé une descente aux enfers de personnel insuffisant, d'heures supplémentaires non payées, puisqu'il y a maintenant des centaines de millions d'heures qui ont commencé à être payées d'ailleurs depuis le début du quinquennat Macron, mais qui restent encore, au même titre que la police d'ailleurs, des heures supplémentaires qui ne sont pas rémunérées. Alors, moi je crois que nous avons
un problème structurel sur cette compétition qu'il faudra bien sûr réformer. Et aujourd'hui, on en est pour l'instant à surtout dire la phrase extrêmement lourde qui sera d'ailleurs, qui lui sera renvoyée en boomerang, je pense, dans les semaines et les mois à venir. Le quoi qu'il en coûte du président nous met dans une situation où aujourd'hui, bien sûr, personne ne peut contester l'exceptionnelle prise en charge du chômage partiel et un certain nombre de, comment dirais-je, de PGE en matière pour l'aéronautique, pour le tourisme, pour le commerce, qui nous paraissent indispensables. Mais tout ceci ne va pas pour l'instant dans le sens de redéfinir une économie performante dont nous avons besoin. Je voudrais prendre un exemple sur le domaine de la santé, puisque là, il est présent dans les esprits. Nous avions, je crois encore que c'est exact, mais ceci a été fortement battu en brèche ces derniers mois avec l'épidémie du Covid. Nous disions, ici et là, et je pense que peu de Français n'étaient pas d'accord avec cette définition, nous avons le meilleur système de santé au monde. Bon. Je crois que nous avons, c'est vrai, d'excellents médecins, nous avons des structures hospitalières qui sont performantes, mais nous avons montré dans la période du Covid qu'il y avait quand même des insuffisances, que nous avions eu sur le plan de la mortalité un chiffre qui n'était pas des plus performants par rapport à nos voisins de l'Europe du Nord, essentiellement de nos amis allemands. Est-ce dû au masque, est-ce dû au, comment dirais-je, au test? Je ne suis pas sûr que ça soit suffisant de dire cela. Bien sûr, il y avait aussi les respirateurs qui étaient insuffisants, mais je n'ai pas le sentiment tout de même que des Français sont morts faute de soins. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'avec un coût plus élevé que nos amis allemands, nous avons des résultats qui sont moins bons et qu'il faut aujourd'hui, je pense que dans le plan Ségur de la santé, c'est quelque chose qui devra être pris en compte. Bien sûr qu'il faudra augmenter fortement la masse salariale du personnel soignant, aide-soignant et l'ensemble du personnel qui travaille à l'hôpital, mais ce n'est pas forcément suffisant. Il faudra aussi penser, et là j'ai quelques raisons de connaître un peu les choses puisque j'ai commencé dans ma première vie dans les hôpitaux, je pense qu'il y a des réformes qu'il faut mettre en place, essentiellement des réformes d'organisation. On a bien vu d'ailleurs que certaines réformes comme la T2A se sont révélées être dépensières et sans efficacité. Depuis aussi 2004, nous avions mis en place, et d'ailleurs c'était Philippe Douste-Blazy qui en 2004, lorsque je suis arrivé au Sénat, le DMP qui s'appelait le dossier médical personnel puis qui est devenu partagé, eh bien c'est perdu dans les limbes des réformes, des caisses de dépôt et des organismes que nous avons créés. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas par rapport à beaucoup de pays européens. Je ne sais pas si Marie-Pierre a eu le temps de voir au niveau de la dématérialisation des examens, de la circulation du DMP, c'est un facteur d'économie et d'efficacité assez important. Voilà en tout cas ce que je voulais dire. Pour terminer, parce que je fais attention de ne pas être plus long qu'il ne faudrait, s'il y a beaucoup de choses à dire, je pense qu'il y a dans notre libéralisme endogène, à nous, famille centriste, une sorte de crainte de pouvoir l'affirmer et de dire quelle est l'efficacité d'un certain libéralisme teinté de responsabilité et de modération que les gouvernements doivent appliquer. Je pense que nous ne disons pas, nous n'avons pas de discours proprement dit sur le type d'économie que nous appelons de nos voeux. Je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, le niveau de la dépense, l'efficacité de la dépense. On commence à en parler un peu, ça me paraît, à partir du moment où un pays dispose de moins de recettes, il dépense plus,
Je n'imagine pas que l'on puisse continuer à affirmer que l'on pourra bientôt avoir une économie performante. Merci Jean-Jacques. Je vais me sentir bien inutile cet après-midi. En tout cas, merci d'avoir respecté le timing. Et du coup, effectivement, je pense que ce que tu as dit est très juste sur la question de la crise. Je ne pense pas qu'il y ait des Français qui sont morts faute de soins. Ça peut arriver dans d'autres pays, pas chez nous. Mais peut-être un élément, et ça me fera ma transition pour passer la parole à Bruno Millienne, c'est aussi une organisation très politique différente entre la France et l'Allemagne. Moi, en tant qu'élu local, je veux dire qu'on a eu quelques sujets avec l'ARS. Ça n'a pas été facile tous les jours avec une gestion extrêmement centralisée de cette crise. Et donc, évidemment, la question des territoires dans le futur et de leur organisation et de la décentralisation est évidemment essentielle. Et donc, ça me permet de passer la parole à Bruno Millienne pour nous parler du redéploiement économique sur les territoires. Voilà. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Merci Louis, merci Olivia, merci Christophe d'avoir rappelé l'histoire du centrisme quelque part. Et je peux t'assurer une chose, Christophe, c'est que cet héritage, en tout cas le groupe Modem à l'Assemblée nationale, le porte et le porte bien, puisque effectivement nous marchons sur deux jambes. Elles sont bien fermes, c'est le libéralisme d'un côté et l'humanisme ou le côté social de l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que si on veut laisser effectivement un petit peu de liberté aux gens pour essayer de faire en sorte qu'on ait une économie plus solide, il faut aussi ne pas oublier les gens qui sont sur le bas-côté de la route. Et pour effectivement redistribuer, il faut quand même laisser un petit peu de liberté aux entrepreneurs. Et c'est tout ce à quoi on essaye de s'employer, en tout cas au groupe Modem à l'Assemblée nationale. Merci à tous les trois, de toute façon, de votre invitation. Quel aéropage, mon Dieu, je vais essayer d'être à la hauteur. Alors, Louis, oui, effectivement, dans le cadre de la Commission de développement durable et de l'aménagement du territoire, je suis aussi membre de la délégation aux collectivités territoriales. Donc, on aborde de plus en plus, même si le sujet au début du quinquennat n'était pas forcément un des sujets principaux, je dois l'avouer, la partie girondine de notre action était plutôt sous le tapis au tout début. D'ailleurs, elle n'apparaît pas beaucoup de mémoire dans le projet du président de la République. Et force est de constater que nous allons avoir de plus en plus besoin des collectivités territoriales, notamment pour amorcer cette relance qu'on nous annonce pour le mois de septembre, puisqu'on parlait de temporalité. Je pense que le plan de relance sera présenté en septembre. Je ne sais pas si c'est le bon tempo, je ne sais pas s'il aurait fallu le faire avant, mais en tout cas, ce sera au mois de septembre. Peut-être que le gouvernement attend effectivement que la crise sanitaire soit presque totalement aplanie, et puis ça laisse aussi le temps de réfléchir aux actions qu'on pourrait mener. Il y a plein de groupes de travail, qui sont engagés en ce moment auprès du ministère de l'économie, auprès de Bruno Le Maire. On l'a eu en réunion de groupe hier, vous voyez, je ne vous cache rien, il n'est pas optimiste, je ne vous dirai pas qu'il est optimiste, mais il juge que la situation de la France, malgré un déficit qui représente 11% du PIB, enfin entre 10 et 11%, on ne sait pas exactement, on verra quand les chiffres sortiront, et il estime, lui, que d'après les études en Europe, et Marie-Pierre peut-être le confirmera tout à l'heure, on n'est pas si éloigné que ça de l'Allemagne, qui doit être à 9 points, quelque chose comme ça, et on est mieux loti que la Grande-Bretagne, par exemple, l'Italie ou l'Espagne, ce qui laisse entrevoir un petit peu d'optimisme dans ce qu'on nous annonce comme une catastrophe économique majeure. On va traverser une crise qui va être très, très délicate. Je vais juste rebondir deux secondes sur ce que disait Jean-Jacques par rapport à l'hôpital, en comparant l'hôpital français, on va dire l'hôpital public français et l'hôpital allemand. Oui, effectivement, et Louis a raison, l'organisation hospitalière en Allemagne et en France n'est pas la même. Alors si tu rajoutes à ça effectivement la désindustrialisation de la France qui fait qu'on n'avait plus de masques et qu'on n'avait pas d'appareils respiratoires et que, etc., on manquait de tests, les Allemands avaient tous les laboratoires qu'il fallait pour mettre ça en place, mais surtout leur hôpital est à 70% privé en Allemagne et il n'est pas question de 35 heures, la base de travail là-bas est plutôt de 39 heures. C'est 35 heures pour l'hôpital, mais pour la police, en fait, pour tous les secteurs où les gens sont amenés à travailler 24 heures sur 24, était une aberration. Et à l'époque, je ne faisais pas de politique, mais dans ma cuisine, je râlais contre cette globalisation des 35 heures, parce que si elle avait un sens dans certaines entreprises, mais c'était des accords d'entreprise, ça n'avait aucun sens de l'imposer comme ça de manière totale sur l'ensemble du territoire et pour toutes les filières
puisque plein de filières en ont souffert, et on peut même en parler des filières qui souffrent aujourd'hui, qui sont l'hôtellerie et la restauration. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de restaurants qui ont été obligés de fermer, qui étaient des petits restaurants, parce que tout d'un coup, on leur a imposé ces 35 heures, qui leur a imposé d'avoir le double, finalement, de personnel, quasiment, pour pouvoir tourner, et donc ils ont été obligés de fermer. Donc ces 35 heures, personne n'est jamais revenu dessus, certes, mais on a bien vu que à chaque fois que l'État trop jacobin veut imposer une décision à tous sans étude d'impact, enfin sans étude d'impact, j'imagine qu'il y en avait, mais en tout cas sans étude d'impact suffisamment poussée, secteur par secteur, filière par filière, on peut créer dans certaines filières des catastrophes industrielles, et c'est un peu ce qui s'est passé, et Jean-Jacques a raison, ça n'a pas procuré les emplois qu'on estimait pouvoir faire, loin s'en faut. Donc voilà pour la petite introduction. Alors pourquoi la décentralisation ? Ben vous le voyez bien, l'économie d'un territoire, Jean-Jacques l'a dit aussi tout à l'heure, on a désindustrialisé la France d'une manière incroyable pour passer à une société de service. Et la société de service, elle se situe où en général, géographiquement ? Elle se situe dans les métropoles. Une société de service est souvent développée dans les métropoles et dans la périurbanité. Moi, je ne veux pas opposer le rural à l'urbain, mais pour ne plus opposer le rural à l'urbain, il est impératif maintenant que nous redéployons l'économie que je préférerais verte, n'est-ce pas, économique et sociale, mais qu'on redéploie l'économie et l'industrialisation et qu'on réindustrialise les territoires de manière à faire en sorte que les gens travaillent là où ils vivent. Ce serait déjà, ne serait-ce qu'en termes de développement durable et de respect de l'environnement, une chose absolument extraordinaire. Alors, on a vu des choses commençaient à se mettre en place, notamment avec le gouvernement Macron, parce que moi, ça me fait quand même doucement rigoler quand on dit qu'en matière d'écologie, ce gouvernement n'a rien fait. Et en dehors des grandes lois qu'on a prises, qui sont des lois stratégiques, on va dire, il y a quand même des choses qui se font sur le terrain. Alors certes, c'est qu'un embryon, c'est qu'un début, mais pour moi, ça va dans le bon sens. Je voulais citer notamment les contrats de transition écologique. On en a signé 80 en France pour l'instant. Alors, on a été stoppé par le Covid, hein, c'est le cas de le dire. On a été stoppé par le Covid, mais il y a eu 80 contrats signés pour un montant d'1,5 milliard d'euros d'investissement, dont la moitié seulement engagée par l'État et le reste engagé pour une petite partie par les collectivités, pour une très grosse partie par le privé. Donc le privé aussi se met à non plus faire du greenwashing comme on a eu l'habitude ces dernières années, mais vraiment à investir sur la partie environnementale. Et ça, pour moi, c'est vecteur vraiment d'espoir. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On parle d'énergie renouvelable, par exemple, qu'on peut installer sur les territoires, mais attention à ne pas faire n'importe quoi non plus. Ne pas reproduire, par exemple, ce qui est en train de se passer avec les masques. Je ne sais pas si vous voyez, mais je ne sais pas si c'est ailleurs qu'en France, mais en France, en tout cas, c'est catastrophique parce qu'il n'existe pas un territoire où il n'y ait pas quelqu'un qui monte sa fabrique de masques. Au point qu'à un moment ou à un autre, on va être en surproduction de masques et je ne sais pas trop ce qu'on va en faire. Donc j'espère que ces gens-là, c'était simplement un dérivatif par rapport à leur activité pendant le confinement et qu'ils vont pouvoir reprendre leurs activités après, parce que sinon, il va y avoir des chutes un petit peu sévères. Donc pour ce qui concerne les énergies renouvelables, il faut vraiment qu'on travaille avec les collectivités territoriales et notamment avec les régions. Je vous rappelle quand même que les régions ont la compétence économique et il faut donc travailler avec elles. Elles sont en liaison d'ailleurs avec les fonds européens et c'est elles qui vont les chercher. Donc ça aussi, c'est important, tout ça est interconnecté. Et il faut dresser assez rapidement, je pense, une cartographie assez précise des ressources de nos territoires, territoire par territoire. Si je prends le cas de l'Île-de-France, puisque je suis aussi conseiller régional en Île-de-France, ça a été fait notamment parce qu'il y avait une forte demande de méthaniseurs agricoles. Et si on avait simplement répondu à la demande des méthaniseurs agricoles, je vais grossir le trait, bien évidemment, mais on aurait peut-être un méthaniseur agricole quasiment tous les 3 km. J'exagère, vous comprenez bien, mais c'est pour vous dire que si on ne peut pas fournir à un méthaniseur agricole de quoi manger pour tourner à 100%, le bénéfice qu'on en tirera sera pas très important. Dans nos politiques environnementales aussi, on peut s'adresser aux collectivités. On parlait de rénovation énergétique des bâtiments, c'est un gros sujet parce que c'est parmi les sujets les plus polluants au monde, ces passoires énergétiques. Et moi, j'ai le sentiment, en tout cas, je suis persuadé que tout ce qu'on a fait depuis des années, c'est de l'argent foutu en l'air. Alors, c'est un peu, j'exagère aussi un petit peu, je grossis le trait, mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on met en place des politiques de rénovation énergétique des bâtiments,
il y a toujours un reste à charge. Et ce reste à charge, si vous prenez toutes les aides qu'on a aujourd'hui qui sont sur la table, le reste à charge pour le bailleur, pour celui à qui appartient le bâtiment, s'il arrive à prendre toutes les aides, il reste 10% de reste à charge. Or, pour les bailleurs pauvres, je vous le garantis, 10% de reste à charge, eh bien, le bailleur pauvre ne peut pas se le permettre. Donc l'idée, c'est une idée d'ailleurs que j'ai amenée à Elisabeth Borne et le gouvernement est en train de travailler dessus, c'est de se dire que peut-être tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en matière de rénovation énergétique des bâtiments, ça a surtout profité aux voix, aux gens qui ont un pouvoir d'achat relativement important, ça a plus profité aux riches qu'aux pauvres, on va dire, et les passoires énergétiques, du coup, existent encore, puisqu'on a rénové plutôt les bâtiments qui étaient classés en C et D, C, D, E, que les bâtiments qui étaient classés en F et en G. Donc, moi, j'ai dit à Elisabeth Borne, prenons tout l'argent qu'on met dans la rénovation thermique des bâtiments, la rénovation énergétique des bâtiments, et puis, allons, passons des conventions avec les collectivités territoriales qui connaissent très, très bien leur parc immobilier, elles le connaissent vraiment sur le bout des ongles, et attaquons-nous aux vraies passoires énergétiques, celles qui sont classées F et G. Et puis, s'il y a des bailleurs qui ne peuvent pas rénover leur bâtiment parce qu'ils ne peuvent pas mettre le reste à charge de 10%, eh bien, tant pis, on finance tout. On finance tout et on grimpera comme ça au fur et à mesure. De F, on passera à G, de G, je ne connais plus mon alphabet, à E, etc., pour arriver après sur des bâtiments qui sont importants. Deuxième chose importante, plutôt que de construire comme on le fait et donc de manger de la terre agricole comme on le fait tous les ans, commençons par faire en sorte que les bâtiments inoccupés le soient, qu'on les rénove et qu'on occupe les bâtiments inoccupés. Il y a plein de bâtiments inoccupés en France, il faut absolument qu'on s'occupe de ça. Donc là, c'était la rénovation énergétique, les énergies renouvelables aussi. L'agriculture va avoir un volet économique très, très important sur nos territoires. On a vu que les Français ont changé leurs habitudes pendant le confinement. Ils sont allés au plus près. Moi, je vous le dis, j'ai une ferme juste à côté de chez moi qui avait déjà beaucoup de clients. Eh bien, elle a triplé le nombre de ses clients pendant le confinement parce que ça faisait moins loin d'aller chez eux que d'aller au supermarché. Et puis, les gens avaient envie de se recentrer sur quelque chose finalement peut-être de plus durable et qui a meilleur goût. Et j'ai été les voir après une semaine de déconfinement, voir si les choses avaient baissé. Pas du tout. Ça continue encore et encore. Les gens viennent. Maintenant, la cueillette est ouverte. Il y a plus de monde à la cueillette qu'il y avait avant. Il va falloir qu'on aide tout ce... Je ne sais pas si c'est de la microéconomie, mais toute cette microéconomie qui se met en place sur nos territoires et qui permet aussi aux gens de consommer plus local et de mieux faire vivre nos agriculteurs. Donc ça, c'est aussi un point important. Mais on a besoin pour cela, et Marie-Pierre le sait, puisqu'on en a discuté déjà tous les deux, on a besoin d'avoir une stratégie agricole. Là, je ne parle même plus de politique agricole commune, au sens où on l'entend depuis des années, qui est simplement, finalement, de verser des subventions agricoles aux pays européens selon le premier pilier ou le deuxième pilier. Il faut qu'on ait une stratégie agricole claire en Europe par rapport à ce qu'on veut faire de notre agriculture, par rapport à ce que font les autres pays du monde entier, parce que je pense qu'on n'arrivera jamais à concurrencer, si on prend les céréales, par exemple, en France, on n'arrivera jamais à concurrencer les céréaliers ukrainiens, pour prendre assez près de chez nous, ni même les céréaliers américains, qui, eux, ont des fermes immenses et qui, forcément, en termes de compétitivité et de productivité, sont bien meilleurs que nous. Donc, il faut trouver un schéma agricole beaucoup plus, j'allais dire luxueux, c'est pas luxueux, mais beaucoup plus qualitatif et qu'on essaye de l'imposer un petit peu au monde entier. Peut-être que l'Europe pourrait être le grenier haute couture du monde alimentaire. Voilà en gros pour ce qu'on pourrait faire, mais tout ça évidemment passera par les conventions qu'on passera avec les collectivités territoriales, et puis ça permettra une chose aussi politiquement, c'est intéressant, j'en terminerai là-dessus, c'est que vous l'avez vu au fur et à mesure des dernières élections qu'on a eues, on va dire depuis l'élection de Nicolas Sarkozy jusqu'à celle d'Emmanuel Macron, cette fameuse diagonale du vide, ces territoires qui se dépeuplent les uns derrière les autres et qui font le lit du Front National et peut-être, enfin du Rassemblement National, pardon, et peut-être demain, pourquoi pas aussi de la France insoumise, si on arrive à repeupler ces territoires, à les rééconomiser, à réinstaller une économie pour que les gens puissent vivre et travailler autour de chez eux, eh bien forcément, on reviendra à un peu plus de démocratie sur ces territoires-là et un peu moins d'envie de populisme et de dictature. Voilà, j'en ai fini pour mon introduction. Merci. Merci Bruno.
Je te rassure, tu es toujours aussi passionnant. Donc, il n'y a pas de problème. Je salue l'arrivée de Blandine Poncellini, qui vient de nous rejoindre, donc est professeure d'histoire contemporaine. Bonjour, Blandine. Bonjour, toutes mes excuses pour mon retard. Je vous en prie. Et donc, je vais passer la parole à Lila Merabé, qui est une élue locale du Grand Est. Sur la question effectivement de l'innovation et peut-être pour faire le lien avec ce que disait Bruno, moi je suis dans la fameuse diagonale du vide avec, on en a parlé dans les ateliers précédents, avec des métropoles qui sont en carence de logements alors que nous ici on a des logements libres partout, on ne sait plus comment faire en sorte pour les viabiliser et les utiliser. Peut-être effectivement qu'à travers cette crise, on va pouvoir remettre, entre guillemets, cette France périphérique au cœur du sujet. Il y a peut-être des solutions à y trouver, peut-être aussi que ça passe aussi par des innovations. Voilà, donc sur cette question-là, je passe la parole à Lila, voilà, pour un quart d'heure. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bon, effectivement, alors la région Grand Est connaît également ces diagonales du vide avec des disparités et en même temps, j'allais dire des contextualisations différentes qui challengent un territoire. Je rappelle, hein, c'est deux fois la taille de la Belgique, c'est 45% des frontières nationales, c'est à la fois la frontière et la frontière unique vers l'Allemagne et tout le reste de l'Europe. Vous avez raison, moi je ne partage pas l'idée que ce sont les pays de l'Europe de l'Est, c'est l'Est de l'Europe, mais ce n'est pas l'Europe de l'Est, ce qui est un tout petit peu différent. Et puis c'est la frontière parisienne. Puis voilà, c'est ça un petit peu. Le Grand Est, quelques métropoles et puis effectivement des territoires à très faible densité que peuvent être la Meuse, la Haute-Marne, les Ardennes, d'autant plus que ce sont été des territoires très industrialisés. Je rejoins ce que disait l'un des participants sur effectivement l'impact de la très forte désindustrialisation de la France. Le dernier point caractéristique, c'est que la valeur de l'industrie dans le PIB régional, c'est quasiment 20%. C'est 6 points de plus que la moyenne nationale. Donc, ça nous met dans une situation, mais en même temps dans une responsabilité particulière, d'abord de dire que nous aimons notre industrie et de faire en sorte de conserver cet ADN industriel très fort et de le rendre effectivement compétitif. Alors moi, mon intitulé de vice-présidente, c'est effectivement, je l'ai choisi comme ça, c'est compétitivité, innovation et digital. Je n'ai pas souhaité que l'on parle de développement économique, j'ai souhaité que l'on parle de compétitivité. Pour une raison assez simple, hein, ce sont des chiffres que l'on connaît bien en France, mais ailleurs dans le monde, c'est que d'abord, nous sommes un tissu de TPE, différemment à l'Allemagne, qui est un tissu de TI très fort, et ce fameux Mittelstand, nous sommes un territoire de TPE-PME. On sait que beaucoup de nos entreprises ne gagnent pas fondamentalement d'argent en tant que telles. Elles ne font pas 3%, 5%, 10%, 20% de croissance. Elles ne font pas de croissance externe. Par contre, elles payent leurs salariés, elles payent le dirigeant, elles payent les fournisseurs, et elles rendent le service du produit ou organisationnel qui est dans leur objet. Du coup, si on reprend l'intitulé de notre atelier autour de la compétitivité à l'aune de cette crise et de ce que nous pourrions envisager, moi, j'ai proposé que l'on puisse porter un projet de à la fois de relance et de reprise, en réalité, parce que je suis d'accord sur la double temporalité, il faut gérer l'urgence et il faut gérer les nouvelles dynamiques, autour de l'innovation. Pourquoi ? D'abord parce que l'innovation, c'était une manière assez simple de ne pas dire le monde d'après. L'innovation, c'est une manière de dire qu'il nous faut sans doute opérer différemment, apporter des modalités nouvelles et des idées nouvelles et sans doute des services nouveaux. Hein, nous sommes une région déjà très innovante et pour faire le lien avec pourquoi ces diagonales du vide, on s'était dit à un moment, l'arrivée de l'Internet va permettre à chacun de travailler là où il veut et de vivre là où il veut. Ce n'est pas aussi simple parce que la question des mobilités est également à réfléchir. Mais l'innovation, moi, je la retrouve à la fois sur la réponse, elle est collective. Et il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas de dimension collective. Ça, c'est le premier point. On n'innove pas tout seul, sinon on est un inventeur, ce qui est totalement différent. Donc, on peut inventer des choses, mais ces choses-là ne se transforment pas. Et l'innovation, c'est bien la transformation des choses nouvelles. Donc, l'innovation comme étant un socle fort du collectif. Le collectif des territoires, le collectif entre les entreprises et les citoyens, le collectif entre l'État et les collectivités. Ça, c'est un aspect fort pour moi. Ensuite, l'innovation, elle remplit une mission.
permettre à une entreprise d'être plus compétitive, permettre à des citoyens d'expérimenter des choses, permettre à une collectivité de chercher de nouvelles ressources. En tout cas, l'innovation se donne une mission. Ça me paraît être un autre sujet important. Je vous en donne un exemple. Nous, collectivités régionales, on aimerait innover en termes de financement en étant autorisés à prendre des obligations convertibles dans les entreprises pour consolider leurs fonds propres à moyen terme. On ne veut pas devenir actionnaire, ce n'est pas notre métier, on ne saurait pas le faire. On ne veut pas rentrer dans la gouvernance et dire ce qu'il faut faire. Les collectivités n'ont jamais démontré, ni l'État d'ailleurs, leur bon sens de la gestion, on va dire ça comme ça. On a vu quand même quelques écueils forts, mais en tout cas, on pourrait imaginer, même en domaine économique, d'être autorisé à faire les choses autrement et d'innover en étant des partenaires autres à l'égard des entreprises. Et enfin, l'innovation, ça permet de faire en dehors du cadre. Reprenons cette crise. Comment est-ce que l'on a fait en dehors du cadre ? D'abord, les collectivités, nous, région Grand Est, comme la région Île-de-France, nous avons été frappés très tôt, la région Grand Est un peu plus tôt encore que les autres, et très fort et très longtemps. Nous nous sommes retrouvés en lien et en dialogue direct avec les hôpitaux, donc je vous rappelle que les présidents de conseils de surveillance sont souvent des élus locaux, en première ligne, pour répondre aux concitoyens et au personnel soignant. Nous, région Grand Est, à travers notre président, on a décidé de commander des masques. Jamais, sincèrement, dans l'histoire des collectivités, et en tout cas la jeune histoire des collectivités régionales, nous n'avions imaginé demain essayer de rentrer en négociation internationale pour trouver des masques pour nos soignants. Donc, l'innovation, c'est de s'autoriser à penser en dehors du cadre et de ne pas attendre tout de l'État. C'est de ne pas être en conflit avec l'État, mais c'est évidemment ne pas tout attendre de l'État. Même si la carence, je n'ai aucun doute qu'on pourra y revenir un jour, non pas pour faire des procès, évidemment, parce que ça fait plaisir à quelqu'un, mais juste de se dire comment est-ce que l'on peut éventuellement faire les choses différemment. Donc, si on revient, l'innovation, elle génère de la créativité. Cette créativité, elle est collective. Elle génère de la valeur, notamment dans les valeurs d'usage, et effectivement, elle permet de s'inscrire de plus en plus dans la conduite du changement. Demain, comment est-ce que l'on peut imaginer les doubles temporalités de l'urgence et de la reprise à travers l'innovation ? Dans l'urgence, ça a été de dire pour nous une chose assez simple, qui est de dire nous sommes à l'arrêt. Le télétravail était quand même assez complexe à mettre en œuvre et pour les dirigeants et pour les collectivités. D'abord parce que la nature du management et du management par la confiance n'était pas là et que jusqu'à présent, l'employeur, quel qu'il soit public ou privé, évalue le temps de travail de son collaborateur et pas sa performance. Le télétravail, c'est le fait de basculer du présentiel et de l'appréciation du présentiel vers l'appréciation de la performance. La performance n'étant pas d'user un collaborateur, la performance étant de réaliser la mission. Donc, nous avons, une forme d'innovation dans l'urgence qui était de dire nous devons déployer tous les moyens possibles pour assurer des formes de continuité, quelles qu'elles soient. La continuité du travail par le télétravail. Nous avons eu besoin de générer de la continuité pédagogique à travers le digital. Et donc, nous, notre région qui avait décidé de s'inscrire dans du très haut débit, donc notre région passe au très haut débit. Le programme a été voté il y a 4 ans et demi maintenant, donc nous sommes en train de déployer les nœuds de raccordement et on espère que du coup la captation par les métropoles sera moins forte parce que désormais Internet en très haut débit sera là partout et qu'une entreprise pourra s'installer partout et qu'un étudiant peut s'installer partout. Donc l'innovation, ça a été aussi de dire la continuité pédagogique, c'est ce très haut débit où une collectivité régionale décide de mettre du très haut débit partout sans attendre ni l'État ni l'Europe, même si chacun remplit son rôle, et ce n'est pas par opposition, et de se dire comment, à un moment, les dirigeants peuvent nous accompagner dans cela, dans des rapports éventuellement publics-privés. Mais aussi de dire aux concitoyens et aux élus locaux, il y a des solutions nées en Grand Est qui peuvent apporter des solutions. Comment est-ce que l'on met en disposition, par l'innovation et par les start-up, des distributions de médicaments, de pain dans les boîtes aux lettres, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Comment la télémédecine en milieu rural n'est plus une médecine dégradée et ceci s'accélérant en période de crise. Donc, j'allais dire que nous avions un panel de solutions innovantes pour répondre à des besoins non assouvis sur les territoires des entreprises, des concitoyens, des collectivités, mais pour des raisons culturelles, organisationnelles, n'étaient pas encore déployées. Donc, la crise a été un accélérateur de ces innovations et font la démonstration que l'innovation, du coup, ne fait plus peur comme étant de l'innovation technologique hyper absorbante des GAFAM, mais c'est une innovation qui s'incarne à travers des personnes de territoire qui apportent des solutions au plus près. Ça a été dans le cadre de l'urgence, comment est-ce que l'on fait ? Nous, par exemple, nous avons aussi imaginé des solutions de financement
en montant un fonds qu'on a appelé résistance. On est allé chercher la Banque des territoires, les départements qui n'ont pas cette clause de compétence, mais et aussi les EPCI, en disant lorsque les banques ne pourront pas intervenir sur des dossiers un peu fragiles, lorsque vous avez votre boucher dans un village qui peut-être ne gagne pas beaucoup d'argent, voire se paye tout juste un salaire, il n'empêche qu'il rend un service sur ce territoire. Autant, moi, je suis passionnée par les grandes industries, autant nous avons besoin de ce boucher qui remplit à la fois une mission économique, mais également une mission sociale. Donc, de mettre un fonds qui va venir non pas se substituer aux banques, mais limiter le risque bancaire, parce que ce genre d'activité, n'étant pas très robuste en termes de fonds propres, n'arrive pas à engager le dialogue bancaire. Donc, comment est-ce qu'on aide à la fois la petite association, et donc on propose au département de les accompagner, de se dire un territoire a un effet levier. Quand la région mettra un sur un territoire, ça va générer quatre. Ça, on l'a pris en termes d'inspiration de l'Union européenne, clairement. Les effets leviers 1-1 de l'Europe, nous l'avons déployé sur les territoires en disant comment est-ce qu'on fait du 1-1 ou du 1-4. Et là, on a fait du 1-4. Donc ça, c'était intéressant. Après, ça reste des montants raisonnables. Ça fait 44 millions d'euros. Ce n'est pas neutre, ce ne sont pas des volumes massifs, mais en produit de dernier recours financier, c'était assez intéressant. Ensuite, quand on dit la relance. La relance, pour moi, elle va se jouer dans l'innovation autour de trois moteurs de croissance et trois moteurs du changement. Et la matrice, elle doit se penser autour de cela. Nous allons avoir toutes les innovations autour du changement climatique. Donc, les innovations versus vertus climatiques, énergétiques, environnementales. Nous allons avoir les innovations à destination de notre vocation industrielle. Donc, c'est la vertu industrielle de la France, de notre région et de l'Europe. Et enfin, nous allons avoir l'innovation versus vertu du digital. Donc, l'innovation va être un accélérateur d'un certain nombre de choses, de cette responsabilité climatique que nous ne portons pas, de la transformation digitale de nos citoyens en termes de compétences, de nos territoires à travers les usages et des entreprises, et en même temps, de se dire, nous allons avoir la responsabilité de l'innovation pour une transformation, une accélération de plus-value et d'une forte valeur ajoutée à destination de l'industrie. Trois moteurs du changement innovants qui vont avoir comme valeur de faire la preuve que nous sommes une région et un pays et une Europe à haute qualité humaine. Ça, c'est un point engagé, qui a du travail et qui permet aux gens de réduire les inégalités. Un territoire, donc une stratégie qui va vers les citoyens. Le risque, pour nous, c'est d'être détaché des citoyens. Donc, il faut faire la démonstration que nous ne sommes pas que sur de l'intermédiation, mais qu'il y a un bénéfice rapide à l'égard des citoyens. C'est aussi innovant en termes de posture pour une région, qui était plutôt une région de projet. Aujourd'hui, nous devons être une région de mission à l'égard des citoyens. La deuxième verticale du bénéficiaire, c'est le dirigeant. Comment est-ce que nos dirigeants investissent et quels sont les nouveaux outils d'innovation financière? Donc, moi, j'ai mis en place une cellule d'ingénierie financière pour dire est-ce que nous n'avons pas des outils de dette perpétuelle pour monter dans les fonds propres ou d'obligations convertibles, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, il faut innover dans la relation au monde économique et dans la manière dont on sanctuarise un certain nombre de secteurs. Et enfin, comment est-ce que nous avons un langage et une plus-value directe à l'égard des territoires et donc des autres collectivités? Et là, effectivement, se pose la question de comment est-ce que le maillage du territoire se joue différemment. Et une des innovations que moi je propose, c'est de dire nous avons des fonctionnaires dans nos collectivités comme à l'État. Ne pourrions-nous pas imaginer des équipes mobiles d'ingénierie fortes, parce que ce qui manque sur les territoires, c'est les ingénieries, qu'on ne se ment pas. Il y a des idées, elles n'arrivent pas toujours au bout. Vous voyez, par exemple, j'accompagne la fermeture de la centrale Fessenheim. C'est un milieu rural. Non pas que le milieu rural ne dispose pas d'ingénierie, mais la densité en ingénierie est plus faible qu'ailleurs. Et donc, comment est-ce que l'on pourrait imaginer de déployer des équipes mobiles d'ingénierie sur les territoires pour densifier cela? C'est ce que nous avons fait, par exemple, en Meuse, qui a pu lancer un programme de e-santé en milieu rural qui embarque à la fois le territoire de la Meuse, qui va chercher les meilleures solutions du Grand Est et les solutions nationales, et qui devient une expérimentation laboratoire pour l'ARS et pour le ministère de la Santé. Voilà, je voulais vous faire moi une démonstration par le cas pratique de ce que peut être l'innovation et dans la manière dont nous avons souhaité l'impulser, pour que ce soit à la fois l'idée de se dire que l'innovation n'est pas technologique, la technologie est au service d'une vision de territoire, et elle vient adresser cela, et elle va donner à la France et à l'Europe des gains. Donc, par exemple, le projet Gaïa X, qui va dire qu'il faut que la France et l'Allemagne ou l'Europe soient leaders sur les données,
l'innovation, elle n'est pas tellement sur la technologie des données, on l'a, et les meilleurs experts nationaux sont européens et souvent français. La question est de se dire, est-ce que dans le cadre des coopérations, l'innovation ne va pas nous permettre de reprendre la main sur nos données et donc, j'allais dire, sur l'économie des données. Voilà un petit peu ce que je voulais vous démontrer, c'est-à-dire c'est par les usages et nos besoins que nous allons sans doute accompagner à la fois la crise et en même temps l'autre temporalité qui est celle de la relance en inscrivant des moteurs du changement innovants à bénéfice rapide, impactable et évaluable sur le moyen et sur le long terme. Je pense que je suis dans les temps et je vais m'arrêter là. Lila. Oui, c'est passionnant cette question d'innovation et puis à la fin tu l'as rapproché de la notion d'expérimentation que je trouve aussi tout à fait intéressante et pour le Loir-et-Cherien que je suis, je sais que j'ai une ministre qui est très attachée à cette notion d'expérimentation, notamment dans les territoires et qui dit innovation puis expérimentation dit forcément ensuite évaluation et donc sur ce sujet-là, je passe la parole à Philippe Boulot que je remercie. Remarquable transition, merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup pour cette invitation, pour être présent aujourd'hui avec vous et clôturer cette première partie d'intervention en essayant moi aussi de respecter les délais puisque tout le monde l'a fait. Donc je vais effectivement vous parler du sujet de l'évaluation qui est un sujet qui me tient à cœur, vous le savez, et qui est un combat quotidien à l'Assemblée nationale puisque j'estime que nous les parlementaires notamment, nous ne réalisons pas assez d'évaluation de politique publique. Alors, comment va se dérouler mon intervention en trois points, comme il y a eu trois temps qui nous ont été définis au départ. Alors, tout d'abord, commencez par vous dire que vous avez tous une vision de l'évaluation des politiques publiques, des méthodes et des outils existants et des pratiques et des objectifs qu'elle peut permettre d'atteindre. Et je voudrais vous ouvrir les réflexions sur ces outils d'évaluation en vous montrant que finalement, on peut l'utiliser beaucoup plus largement que la façon dont elle est habituellement pratiquée et que dans le cadre d'un mandat de parlementaire, dans le cadre d'un mandat de conseiller régional, eh bien, ça en a vraiment beaucoup à apprendre avec l'évaluation. Donc, trois sujets que je vais développer. Le premier, c'est l'évaluation dans le temps. À quel moment faut-il la faire? Vous verrez qu'on peut la faire dès le départ, très en amont des projets et des politiques publiques. Ensuite, sur quel sujet? Qu'est-ce qu'on doit regarder dans l'évaluation? Vous verrez que parfois, on a une façon de regarder qui est un peu restrictive. Et puis, dans un dernier temps, je reviendrai sur le mot de confiance que beaucoup ont développé en vous disant que l'évaluation, c'est vraiment un moyen qui va nous permettre de reconquérir et créer de la confiance. Sur le premier point, donc s'agissant de la temporalité de l'évaluation, souvent elle est vue ex post. Alors, vous savez, l'évaluation, on peut la faire avant, pendant et après. Alors, il y a les termes consacrés qui sont exemptés, in itinere ou ex post. Donc, je vais utiliser les termes en français. Donc, après. Mais après, voilà, c'est une façon de faire. Elle est souvent vue comme ça. Je considère qu'on peut la mener très en amont des politiques publiques. Et en cela, je vais rebondir sur une chose que nous a dit Bruno Millienne, c'est qu'il nous a pris l'exemple des 35 heures en nous disant qu'il y avait des secteurs sur lesquels c'était contre-productif l'application des 35 heures. Eh bien, typiquement, si une évaluation des politiques publiques des 35 heures avait été menée de manière anticipée, très en amont de la définition de la politique, eh bien, ça aurait évité ce genre de choses. Alors vous allez me dire, comment peut-on évaluer quelque chose qu'on n'a pas mis en place? Eh bien, c'est dans la façon de faire qu'il faut trouver les nuances. Et c'est de se dire que finalement, l'évaluation, quand on parle de concertation, quand on parle de nos grands débats, etc., ben finalement, on est dans des démarches d'évaluation. Parce qu'on est dans des démarches où on va aller écouter les uns et les autres. Et ça a une vertu importante, c'est que je vois aujourd'hui, quand on réfléchit à les politiques publiques, le développement durable, les politiques économiques de l'après-crise, eh bien, on a tout de suite tendance à aller régler les détails. Alors, quand vous montez dans un avion, avant d'aller régler l'altimètre et faire le plan de vol, on doit d'abord s'intéresser de savoir à quelle heure on décolle et à quelle heure on arrive et combien on a de passagers. Donc, il est important, au lieu d'aller regarder les actions concrètes, de se fixer des objectifs. Et si ces objectifs sont partagés par ceux à qui se destinent les politiques publiques, ceux qui sont concernés par les politiques publiques, eh bien, c'est une vraie garantie de réussite. Donc, avant d'aller définir combien il faut payer le carburant, définissons quelle est notre politique de transport, ayons des idées et une vision partagée, ce qui va nous fonder un patrimoine commun qu'on va pouvoir tous défendre, quelles que soient nos couleurs politiques, et à partir de là, on pourra aller régler les détails. Sur le deuxième point, qui est qu'est-ce qu'il faut regarder dans l'évaluation des politiques publiques, je prendrai l'exemple de ce qu'on vit à l'Assemblée nationale. On a quelque chose qui s'appelle le printemps de l'évaluation. Lorsque ça a été mis en place, l'Assemblée avait eu l'impression de renouveler ses pratiques et de
d'être révolutionnaire en termes d'évaluation. Alors, j'avais eu la chance, la première année, en 2017, de faire partie de ce printemps d'évaluation, 2017-2018, et je me suis rendu compte qu'en définitive, on ne regardait qu'une chose, on ne regardait que l'efficacité en considérant que la politique avait bien été mise en place au regard des moyens financiers et budgétaires qu'on lui avait affectés. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors déjà, si on regarde les moyens budgétaires, faut, au-delà de l'efficacité, il faut regarder aussi l'efficience. L'efficience, c'est, vous savez tous, c'est comment peut-on faire plus avec autant de ressources ou comment peut-on faire autant avec moins de ressources. Et en cela, je rebondirai sur ce que nous a dit Jean-Jacques Jégou quand il comparait nos modèles hospitaliers français et allemands en disant que finalement, nous, on avait réussi, je reprends ces mots, qu'on avait eu des résultats moins bons avec des dépenses plus élevées, des moyens plus élevés. Là, typiquement, on voit bien qu'on n'a pas été efficient. Donc, l'évaluation permet aussi de regarder cette efficience. Alors, ce n'est pas uniquement les finances, l'évaluation. C'est ce que je veux vous dire, un message fort aujourd'hui. C'est aussi les impacts. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire qu'on l'oublie tout le temps. C'est-à-dire qu'on met en place une politique par rapport à un objectif donné, qu'on va essayer de travailler ensemble, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais on oublie très rapidement que cela va produire aussi des effets. Alors, ces effets peuvent être directs ou indirects, voulus, enfin, attendus ou inattendus, positifs ou négatifs. Il ne faut jamais oublier cette chose-là, parce que sinon, après, on a des effets collatéraux. Et alors que la politique peut être la bonne, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait quelque chose à côté qui clochait. Et si on ne le corrige pas, on a l'impression que c'est la politique en elle-même qui n'était pas la meilleure. Et puis, autre exemple au-delà des impacts, c'est la cohérence. Et là, je reviendrai sur les propos de Marie-Pierre Védrenne, qui nous a bien expliquer les politiques européennes, eh bien, quand on mettra en place les politiques françaises, quand il s'agira de les évaluer, il faudra qu'il y ait un critère d'évaluation de la cohérence externe. C'est-à-dire que ce qu'on doit faire en France doit loger dans le cadre politique européen et parfois c'est quelque chose qui est oublié ou alors c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en France, on est plus vertueux, par exemple, sur les politiques agricoles, on va aller toujours surtransposer. Voilà. Et puis, je terminerai sur ce volet 2 en vous donnant une réflexion qui est la mienne aujourd'hui sur une absence, ça rentre dans le cadre de l'évaluation selon moi, une absence de prise en compte globale de l'économie. C'est-à-dire que je faisais partie d'un groupe de travail de la Commission des affaires économiques sur l'énergie, les impacts de la COVID-19 sur l'énergie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une divergence qui apparaissait. C'est-à-dire que d'un côté, l'année dernière, alors qu'on faisait le PLF, lorsqu'on voulait avoir des ambitions fortes sur la transition énergétique, on disait qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Et aujourd'hui, dans une nouvelle situation, on nous montre qu'on a des dépenses qui augmentent pour le chômage partiel, pour soutenir l'économie en temps de crise. Donc, on a ces dépenses qui augmentent. On a cette appétence, cette attirance, ce désir de plus de développement durable qui va générer de nouvelles dépenses. Et en même temps, on a aussi une fiscalité qui est construite sur l'énergie, avec des recettes liées aux consommations énergétiques. Et on se rendait compte qu'on avait une baisse des consommations, une baisse des prix, et donc finalement un effet ciseau, où d'un côté, on veut avoir des dépenses supplémentaires et de l'autre, des ressources qui diminuent. Et donc, tout ça n'est pas bon et doit être absolument pris en compte dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques. Dernier point, ce sera donc que faire de cette évaluation. Donc, vous l'avez compris qu'on peut faire le plus en amont possible et qu'il doit regarder autre chose que l'aspect financier, qui ne doit pas uniquement être financier. Eh bien, c'est de mon point de vue... C'est très important de la réaliser parce que je considère que quand on réalise une politique publique, nous restons des hommes et des femmes perfectibles. Et que finalement, parfois, malgré toute l'attention qu'on a pu porter à l'écouter le territoire, à définir au mieux lors d'auditions les enjeux de ce que nous devons viser et obtenir, les erreurs restent possibles, les erreurs sont là. Eh bien, lorsqu'on est dans une logique d'évaluation des politiques publiques, lorsqu'on est dans une posture d'évaluation des politiques publiques, on renvoie un message qui est quand même loin d'être négligeable, qui est de dire, écoutez, menons une politique, prenons le temps de l'évaluer, et si l'évaluation décèle des imperfections, on sera toujours en mesure de les corriger. Donc, on renvoie l'idée que finalement, ce qu'on va faire, on va le faire, et qu'on sera en capacité de revenir dessus s'il y a des difficultés ou des choses inattendues qui se sont manifestées, ce qui est totalement différent de ce qui se passe jusqu'alors, où finalement les politiques sont menées, elles sont parfois imparfaites, alors certes elles sont corrigées, mais au travers d'autres politiques qui engendrent encore d'autres choses, en plus on ne regarde pas les impacts, vous imaginez tout ce que ça produit, et vous le vivez au quotidien les uns et les autres, comme effet négatif. Donc c'est notre capacité à corriger ce que nous réalisons, l'évaluation des politiques publiques, et c'est donc notre agilité. Et puis, finalement, si on l'a fait au début, si on l'a fait largement pendant
la réalisation de la politique publique, et si on l'a fait après pour corriger, comme je viens de vous le dire, on montre aussi une capacité d'écoute et d'attention à ceux à qui se destinent les politiques publiques. Et tout ça, c'est, de mon point de vue, une nature à créer la confiance. C'est-à-dire qu'on voit tous la défiance qui existe aujourd'hui au travers, vis-à-vis des hommes et des femmes politiques. Et bien, grâce à l'évaluation des politiques publiques, je crois qu'on est en capacité de reconstruire une vraie confiance autour de la politique publique. Et je terminerai en faisant le lien avec ce que nous a dit Lila Merabé. Et je trouve qu'au regard de tout ce qu'elle a décrit de l'innovation dans la première partie de son intervention, les termes qu'elle a employés, les critères qu'elle a énoncés pour définir ce qu'était une innovation, eh bien, cette description me démontre qu'aujourd'hui, l'évaluation des politiques publiques est vraiment une démarche innovante pour celles et ceux qui ont à définir, à voter et à conduire des politiques publiques. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes. Merci Philippe. Eh bien, écoutez, on a plutôt tenu les temps, donc tout va bien, Christophe ne va pas m'engueuler. Et donc je vais peut-être dire, voilà, il nous reste 40 minutes maintenant pour les échanges et poser des questions. Je salue aussi Brahim Amouch, qui est médecin et député de la Moselle, qui nous a un petit peu fait voyager pendant la conférence. Et donc, je propose, par rapport aux différentes prises de parole qu'il y a eu, dans un premier temps, de donner la parole à Christian de Boissieu et de concentrer les questions sur Brahim et Blandine pour les poser aux côtés de monsieur de Boissieu, si vous le voulez bien. Voilà, je donne donc la parole à monsieur le professeur. Merci. Merci, cher ami. Je regarde ma montre. Vous me donnez 12 minutes ou c'est trop? Vous pouvez avoir un petit quart d'heure, il n'y a pas de souci. Non, je regarde ma montre parce que vous savez que les profs parlent trop. Alors, donc, j'en suis un. Je ferai les gros yeux de manière très respectueuse. Merci de votre invitation. Merci à tous. Vous avez tous été archi-complets, archi-brillants. Tout ce que vous avez dit sur l'importance du local, de la décentralisation, de l'innovation, de l'évaluation, tout ça, moi, j'y souscris à 120%. Je me suis occupé pendant 10 ans, j'ai présidé le conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Et Dieu sait si à l'époque, ce n'était pas très vieux pourtant, on n'avait rien pour aborder les problèmes d'évaluation, ni ex ante, ni ex post. Alors, cher Christophe et chers autres, moi, ce qui m'a frappé dans votre description du centrisme, c'est que vous êtes sur une ligne que je respecte vraiment, hein, qui est assez voisine de l'ordolibéralisme à l'allemande, ce qui ne pose aucun problème. C'est-à-dire, vous êtes, je crois que Christophe a utilisé l'expression « économie sociale de marché », et au sens le plus large du terme, y compris écologique. Et c'est l'ordolibéralisme, l'écologie, plus d'autres dimensions, et ça me va très bien, cet équilibre entre le marché et l'État. Alors, ayant dit ça, pour vous dire comment j'ai interprété les discours autour de, j'allais dire, de la table, la difficulté de la temporalité est la suivante à mes yeux. C'est qu'à court terme, au fond, nous sommes dans des stratégies défensives. Il faut limiter la casse. Il faut limiter la casse économique et sociale. Il faut essayer de limiter les faillites d'entreprises et la montée inexorable du chômage dans les mois qui viennent. Bon, donc, à court terme, nous ne sommes pas dans une stratégie de compétitivité au sens habituel du terme, parce que pour moi, la stratégie de compétitivité, elle est plutôt offensive que défensive. Bon, et je pense, Madame Védren, que justement, puisque chaque pays essaye de limiter la casse en mettant à travers la BCE, à travers l'État, à travers l'Europe, beaucoup d'argent sur la table, et moi, je trouve ça, personnellement, quand il y a le feu dans la maison, il faut appeler les pompiers. Ce moment-là, où finalement, chacun cherche chez soi à limiter la casse, en ayant en même conscience des interdépendances entre nous, en particulier à l'intérieur de l'Europe, je pense que s'ouvre une période où les coopérations européennes peuvent progresser et doivent progresser. Quand on viendra dans quelques trimestres à des objectifs de conquête de parts de marché, des objectifs plus offensifs, les uns par rapport aux autres,
Là, l'aspect jeu à somme nulle, disons, reviendra plus intensément, y compris à l'intérieur de l'Europe. Et ça sera plus difficile, sans doute, dans un ou deux ans, une fois qu'on aura passé, je l'espère, le plus dur, et que chacun cherchera à améliorer ses avantages comparatifs, chacun cherchera éventuellement, au détriment des autres, à augmenter ses parts de marché dans tel ou tel secteur, ça sera plus difficile de trouver des espaces de coopération européenne. Donc, pour moi, il y a un momentum. Je ne suis pas étonné de la relance franco-allemande. Je ne suis pas étonné du fait que, malgré les frugaux, finalement, les propositions françaises trouvent aujourd'hui un certain écho. Il y a un moment qu'il ne faut pas gâcher. Ayant dit ça, je reviens sur la problématique de la compétitivité, puisque c'était le sujet, je crois, qui nous était posé. Qu'est-ce que c'est que la compétitivité? C'est l'aptitude à affronter la concurrence et augmenter ses parts de marché et renforcer ses avantages comparatifs. Voilà, dans une sorte de phrase, comment je définirais la compétitivité. Vous avez deux types de compétitivité qu'il faut avoir en tête. Vous avez la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. Sur les prix, il y a deux composantes essentielles, les salaires et les taux de change. Je commence par les taux de change parce que personne n'en a parlé et c'est aucun reproche que je fais. Mais l'hypothèse que je fais, parce que le taux de change est quand même important pour la compétitivité, l'hypothèse que je fais, c'est que même si l'euro a plutôt tendance à monter depuis quelques semaines, moi je suis assez satisfait avec la parité euro-dollar telle qu'elle est aujourd'hui. On pourra en reparler dans le débat. Il y a des gens qui voient l'euro monter, d'autres qui le voient stable. Moi, je constate que depuis un an et demi, l'euro a été relativement stable, autour de 1,10 dollars pour un euro. Aujourd'hui, on est à 1,13. Il y a des raisons pour ça. Mais pour moi, je pense que la question de la parité euro-dollar ne devrait pas être le problème des prochains mois. Dans 5 ans, j'en sais rien, mais personne n'en sait rien. Le taux de change dans 5 ans, impossible à prévoir. Sur les salaires, deuxième élément de la compétitivité prix, je suis tout à fait d'accord avec M. Bayrou et avec les centristes, ça n'est pas le moment de baisser les salaires. Je pense que plutôt que de baisser les salaires, il faut, et on retrouve, chère madame, le thème de l'innovation au sens le plus large tel que vous l'avez pris, c'est le moment d'essayer de doper la productivité. Et que, moi, la règle comme quoi les salaires réels doivent grosso modo suivre les productivités du travail, c'est une règle qui me va, grosso modo, parce que c'est une règle qui est compatible avec, au fond, une sorte de stabilité dans le partage de la valeur ajoutée entre salaire et profit. Et donc, ça serait une faute, de la même manière que ça serait une faute économique et politique d'augmenter les impôts, ça serait une faute économique et politique de baisser les salaires dans le contexte actuel. Ça, taux de change salaire, ce sont les éléments centraux de la compétitivité prix. À côté de ça, vous avez des éléments essentiels qui s'appellent la compétitivité hors prix. Et c'est souvent là-dessus que la France a pêché vis-à-vis de l'Allemagne. Ça concerne les problèmes de montée en gamme des productions. On retrouve le thème de l'innovation de produits. Ça concerne les problèmes de qualité des efforts commerciaux, etc. J'étais conseiller économique à la Chambre de commerce, on avait beaucoup travaillé à l'époque sur les problèmes de compétitivité hors prix. On avait montré que la France a rattrapé un peu son retard par rapport à l'Allemagne, mais que ce retard en matière de compétitivité hors prix reste très important. Ayant rappelé ces éléments, je vais ouvrir rapidement un certain nombre de thèmes. Premier thème, qui me paraît dans l'air compte tenu de ce que nous traversons, une réflexion sur la compétitivité et souveraineté. La crise actuelle va entraîner un petit mouvement, je suis prudent, un certain mouvement, et je dis petit mouvement, de démondialisation. À mon avis, on ne va pas détricoter la mondialisation, d'abord parce que ce n'est pas possible, parce que ça serait extrêmement coûteux pour tout le monde. Il faut respecter les principes de la division internationale du travail. Vous l'avez dit, certains d'entre vous, nous sommes dans un contexte où, à la lumière de la crise, s'amorcent des phénomènes de relocalisation de certaines productions.
Alors, la filière santé-médicaments, ça paraît évident. Le plan automobile prévoit le développement d'usines en France pour développer la voiture électrique, peut-être les batteries électriques qui aujourd'hui sont largement importées d'Asie, etc. Donc, nous sommes dans un contexte où la crise du corona crée une demande de contrôle, de contrôlabilité, crée une demande de recherche de souveraineté. Le débat, c'est de savoir à quel niveau va se poser la problématique de souveraineté. Est-ce que c'est au niveau national ou au niveau européen? Moi, je pense que sur beaucoup de questions, reprendre un peu la maîtrise, reprendre un peu le contrôle de ces industries au sens le plus large du terme. Et dans les industries, je mets une partie des services. Je suis moins net que vous, j'oppose moins nettement que vous le faites, industrie et services. Il y a une partie des services qui sont directement liés à l'industrie. Donc, quand on parle de politique industrielle, quand on parle de stratégie industrielle, ce n'est pas uniquement les 13 ou 14% du PIB qui sont concernés, ça englobe aussi une partie des services. Bon, je dis simplement que dans ce contexte-là, les phénomènes de relocalisation suscités par la crise, par ce que j'appelle ces demandes de contrôle, de souveraineté, éventuellement au niveau européen ou au niveau national, ça va remettre en cause certains éléments de compétitivité, parce qu'à court terme, est-ce que c'est compétitif de vouloir fabriquer telle ou telle production en France par rapport à ce qui se passe, disons, ou ce qu'on importe de l'étranger? Donc, il peut y avoir à court terme un arbitrage entre, souveraineté et compétitivité. Je pense que cet arbitrage, il ne joue qu'à court terme et qu'à long terme, une fois les effets éventuellement passés, dans certains cas un peu négatifs, je pense à l'augmentation de certains prix dus à des phénomènes de relocalisation de production sur le territoire national, une fois ces phénomènes transitoires passés, je pense qu'on arrivera à dépasser cette opposition entre compétitivité et souveraineté. Deuxième thème, compétitivité et concurrence. Je me tourne vers vous tous, et en particulier vers Mme Védrette, parce que je sais que c'est un sujet qu'elle connaît par cœur, mais vous n'avez pas eu le temps de l'aborder. Je pense que le thème était là avant le corona, il est encore plus depuis la crise. La crise actuelle appelle une révision rapide et drastique de la politique européenne de la concurrence. Je ne suis même pas sûr qu'il faille changer des textes, contrairement à ce qu'on dit. Moi, quand j'étais jeune, j'avais travaillé, je prends l'ancienne numérotation du traité de Rome, les articles 85 et 86 du traité de Rome sur les problèmes de politique de la concurrence. On a une politique européenne de la concurrence qui, pour de bonnes raisons, a privilégié la protection des consommateurs et a négligé la compétitivité des entreprises européennes. Il ne faut pas être naïf, nous, en Europe. Nous vivons dans un contexte où la crise actuelle va accélérer les concentrations dans beaucoup de secteurs de l'économie, les concentrations dans l'industrie, dans la banque, dans les services, etc., en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Canada. Et donc, nous, Européens, ne pas être naïfs, ça consiste à accélérer cette évolution de la politique européenne de la concurrence. Pour moi, c'est un sujet des prochains mois, ce n'est pas un sujet des prochaines années. Troisième thème que j'ouvre, compétitivité et État. Alors, vous l'avez dit brillamment, beaucoup d'entre vous, moi, je pense que la crise appelle le retour de l'État. Et ça ne me pose pas de problème. Moi, je suis comme vous, même si je n'ai pas d'affiliation de parti, je crois au rôle de l'État, même si ce rôle a évolué au cours du temps. Et compétitivité État, ça appelle deux sous-thèmes. Premier sous-thème, le retour des stratégies industrielles. Et je prends stratégie industrielle au sens plus large que la seule industrie, je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, la stratégie industrielle, c'est plus une démarche qu'un secteur. C'est plus une démarche volontariste, activiste, à l'égard d'une partie importante de l'économie, y compris l'agroalimentaire, y compris une partie des services, comme je l'ai dit, pas uniquement l'industrie. Bon, et on voit le retour des stratégies industrielles. Le débat, c'est quel équilibre pour nous, Européens, entre le niveau national, à travers un État incitatif, et ce qui doit être fait au niveau européen. Je veux dire, il faut qu'on arrive à mettre en place
une ou plusieurs GAFA européennes. Je veux dire, ce n'est pas une GAFA française. Une GAFA française, je n'y crois pas. Ou des GAFA françaises, je n'y crois pas. Des GAFA allemandes, je n'y crois pas. Des GAFA européennes, j'y crois à condition qu'on se mette d'accord. Bon, ça, c'est le premier sens du retour de compétitivité état. Le deuxième sens, vous l'avez abordé à plusieurs reprises, c'est le thème de l'efficacité des dépenses publiques. On est dans un contexte où, pendant quelques mois, le sujet, ce n'est pas l'efficacité, le sujet, c'est l'abondance des dépenses publiques. Mais une fois qu'on sera sorti de la NAS, dans quelques trimestres, je l'espère, il faudra reposer le problème de l'efficacité des dépenses publiques, y compris non seulement sous l'angle de l'État, mais des collectivités locales. Et donc là, je pense qu'il y a deux sujets qui sont posés. Est-ce qu'on a la volonté politique de le faire? Pas toujours. Pour moi, c'est le point faible du programme Macron dès le début. Ce problème de le débat sur l'efficacité des dépenses publiques, ça a été le point faible de son programme présidentiel. Donc, volonté politique, pas claire. Et est-ce qu'on a la bonne méthode? Sans doute pas. Pour avoir travaillé sur le problème de l'efficacité des dépenses de défense, je me suis rendu compte qu'on a beau avoir des économistes, des ingénieurs, des méthodes de calcul et des ordinateurs, c'est plus compliqué que ça. Quatrième ouverture, compétitivité et écologie. J'insiste sur ce point parce qu'il est clair que la crise actuelle entraîne le retour ou l'affirmation des considérations environnementales, écologiques, développement durable. Bon, deux choses rapides là-dessus. Je pense que nous sommes dans un contexte où, au fond, la notion de compétitivité s'est élargie dans son périmètre et dans son horizon temporel. Et ça, je crois que c'est dû, au fond, à l'élargissement du champ économique vers les variables ESG, environnement, social et gouvernance. Environnement social, sociétal et gouvernance. Et moi, je crois que c'était vrai avant le corona, mais je pense que le corona met la pédale forte sur ces sujets et que l'opinion publique est prête. Elle est demandeuse par rapport à ça. Et donc, les partis politiques doivent en tenir compte. J'en veux pour preuve le fait que, au fond, il y a aujourd'hui, dans les débats économiques et financiers, une forte demande pour que les entreprises fassent l'objet d'une note qui combine à la fois des critères financiers et des critères extra-financiers. Aujourd'hui, dans la notation des émetteurs, vous avez la note financière donnée par les agences de rating habituelles et puis vous avez la note extra-financière donnée par Vigeo et quelques autres agences de notation extra-financière. On va vers une intégration de ces critères. On va vers une intégration du court terme et du long terme, du financier et du non financier. Et ça, ça me paraît, au fond, la représentation de ce que j'ai dit là-dessus. Cinquième thème, compétitivité et financement, vous l'avez dit. Plusieurs d'entre vous, moi j'ai fait partie des économistes qui ont pendant 2 mois participé à des séances autour du ministre de l'économie et des finances. Certains de mes collègues disaient il suffit d'attirer l'épargne pour financer les fonds propres. Et certains d'entre vous l'ont dit, moi je suis d'accord avec ça. Il faut faire en sorte que les PME puissent devenir des entreprises de taille intermédiaire et ça améliorer la compétitivité française. C'est facile à dire, c'est difficile à faire. Nous ne sortons pas. Nous sommes dans une crise où les épargnes ont considérablement augmenté. Épargne forcée de 60 milliards d'euros pendant les 2 mois de confinement, plus épargne de précaution due à la montée du chômage, au risque retraite qui ne va pas se dissiper, etc. Donc, il y a de l'épargne, mais elle est liquide, elle est à court terme. Et donc, comment l'attirer vers des produits ou vers le financement en fonds propres des entreprises pour doper la reprise et améliorer la compétitivité des petites et des moyennes entreprises? Je pense qu'il y a des sujets, il faut réfléchir à l'ingénierie financière, il faut réfléchir à la politique fiscale aussi, parce que pour consolider l'épargne, il ne suffit pas d'avoir des
délivrer. Regardez le relatif insuccès du PEA-PME quand vous regardez le bilan en termes d'encours. Pas beaucoup de milliards d'euros qui sont venus là-dessus parce que ce n'était pas clair, ce n'était pas transparent, etc. Je considère que c'est aussi un des sujets. Sixième thème, Madame l'a très bien abordé, chère Madame, sur l'innovation, problématique de l'innovation, de la R&D. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez pris innovation au sens le plus large du terme. C'est Schumpeter prenait déjà l'innovation au sens le plus large. Ce n'est pas uniquement les nouvelles technologies, les nouveaux produits et les nouvelles formes d'organisation. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où l'innovation au sens de nouvelles formes d'organisation, c'est peut-être plus, encore plus important, aussi important que, j'allais dire, ce qui est nouvelles technologies, nouveaux produits. Je voudrais juste ajouter deux éléments là-dessus, sur l'innovation au sens large. Je pense qu'il y a, pour nous en France, un pays qui a une défense significative par rapport au PIB, je pense qu'il y a un sujet sur comment mieux utiliser la dualité de la recherche civile-militaire, et que ça, c'est, il y a des choses à faire pour améliorer en quelque sorte à l'articulation du civil et des militaires nos efforts de R&D et d'innovation. Et deuxième sujet, Madame Védren, on est bien d'accord que dans les plans de relance au niveau européen, dans ce qui va passer par la BEI, la Banque européenne d'investissement, dans ce qui va se passer par le budget de la Commission, il y aura non seulement une dimension écologique qui va être forte, mais il y aura une dimension technologique qui doit être forte. Moi, quand je regarde le plan Juncker depuis 4-5 ans, j'ai été frappé de ce que le plan Juncker accordait quand même pas mal de financement, disons, au financement de l'innovation au sens le plus large du terme. Voilà, je crois que j'ai épuisé mon temps. Voilà mes réactions. J'ai essayé de redire autrement ce que vous aviez dit excellemment. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Du coup, je passe la parole le plus rapidement possible à Blandine Poncelini, qui a peut-être des questions ou des remarques à formuler. Voilà. Oui, alors, bonjour à tous. Une question de Béotienne, vraiment, vous allez voir. Quelle est l'articulation entre la politique européenne et les régions en matière à la fois d'innovation et de recherche, ou plutôt de recherche appliquée? Est-ce qu'il y a une relation directe où ça passe par le truchement des États, notamment avec les récents financements qui ont été accordés par l'Union européenne et puis par la Banque centrale européenne? J'espère que ce n'est pas trop idiot, hein, ma question. Oui, je veux bien répondre, mais sans doute en duo avec notre députée européenne, Marie-Pierre. Alors, les régions rendent à l'Europe un plan dans la planification, hein, qui est sur le temps de la programmation des fonds européens, donc jusqu'à présent sur H2020, ce qu'on appelle la S3, la stratégie de spécialisation intelligente. Et nous avions pour responsabilité directe de définir les filières, les marchés sur lesquels nous souhaitions engager les moyens partagés Europe-Région en termes d'innovation. Ce qui nous permettait à nous de stabiliser une stratégie qui rentrait dans la stratégie européenne et ainsi avoir un effet levier et convergent. Voilà, je fais très court pour que notre députée européenne puisse répondre également en complément. Non, et quoi, je vais être très bref aussi. Effectivement, l'Union européenne, dans ce cadre-là, que ce soit aussi sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, le plan Juncker ou Horizon 2020, devenu maintenant Horizon Europe, justement, c'est fixer ce cadre général et laisser la souplesse nécessaire justement aux échelons, au titre aussi du principe de subsidiarité, parce que c'est nos territoires, en fonction de leurs acteurs, en fonction de leur écosystème, qui sont au plus près justement de tous ces acteurs pour faire en sorte que ces projets soient réalité. Donc il y a ce cadre générique qui est fixé à la fois, on va dire, de manière vraiment en termes d'objectifs, et c'est ce qu'on avait, la stratégie de Lisbonne, la stratégie, faire en sorte d'avoir une Europe à horizon 2020 qui soit intelligente, durable et inclusive. C'était ça
l'ambition qui était portée par la Commission européenne. Donc maintenant, il faut bien évidemment revoir toute cette ligne et toute cette ambition au regard du Covid-19. Et puis après, c'était décliné au travers d'instruments financiers, donc avec des programmes sectoriels et avec aussi le rôle du plan Juncker. Et là, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, avec le plan Juncker qui a eu justement cet effet levier nécessaire pour porter des projets d'innovation dans nos territoires. Merci beaucoup. Alors, il nous reste, normalement, on m'a demandé de terminer vers 16h20, donc il nous reste à peu près 5 minutes. Donc, si certaines personnes veulent intervenir dans le cadre de ces échanges, le micro leur est ouvert. Je sais qu'on a aussi quelques personnes qui nous ont rejoints, m'a dit Christophe. Voilà, vous pouvez manifester par le chat ou tout simplement en prenant le micro. Oui, Louis, c'est Bruno Millienne. J'ai juste... une question au professeur de Boissieu, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interloqué. On a parlé du taux de change tout à l'heure entre l'euro et le dollar, qui est stable et qui convient à peu près à tout le monde. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète un tout petit peu plus. Quand est-ce que les échanges internationaux financiers se feront en dehors du dollar ou à parité avec l'euro? Parce qu'on a bien vu le problème avec l'Iran. Quand il y a eu le problème avec l'Iran, finalement, les États-Unis ont imposé leur volonté. Parce que toutes les transactions se font en dollars et pas du tout avec l'euro. Voilà, j'avais juste cette question-là qui m'interpelle depuis longtemps. Je peux dire un mot là Tout à fait. Dire un mot en cours. Cher Abi, moi j'aimerais bien que l'euro gagne des parts de marché par rapport au dollar. Quand je regarde, on est bien d'accord, on ne parle plus du taux de change, on parle des parts de marché de chaque devise au plan mondial. Quand je regarde les parts de marché du dollar, sur la plupart des fonctions de la monnaie aujourd'hui, le dollar est à 60% de parts de marché, l'euro est à 20%. Bon, c'est à peu près stable depuis quelques années. Et c'est-à-dire que mon analyse, c'est que le dollar est contesté sans être vraiment remplacé. Et le système monétaire international ou le non-système monétaire international s'organise autour de ces deux devises, euros et dollars, les autres ont des miettes. Le renminbi chinois, il fait 2% des réserves de change des banques centrales dans le monde, le yen est tombé en deuxième division et la livre sterling est également. Donc, ce que je crois, c'est que dans 10 ans, le monde tournera autour de trois devises. La devise chinoise qui sera devenue convertible, ce qu'elle n'est pas totalement aujourd'hui, l'euro qui va survivre et qui va vivre, et le dollar. Mais voyez, il faut énormément de temps pour assurer les transitions monétaires. Quand vous regardez ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, il a fallu presque 20 ans pour que le dollar prenne la place de la livre sterling, en quelque sorte. Le temps des transitions monétaires est un temps long, alors que le temps des taux de change est un temps de la journée. Voilà mon analyse. Et je termine en disant, il y a des phénomènes d'inertie. Je sais bien que l'Iran, je sais bien que la Russie, à un moment donné, voulait facturer le pétrole qu'elle produisait en euros. Mais le marché impose le dollar. J'utilise le dollar parce que je sais que les autres vont l'accepter. Il y a un effet réseau, comme en matière de télécom, un effet réseau qui fait qu'on a intérêt à aller, même si on n'est pas d'accord, même si on conteste, vers la monnaie qui est la plus utilisée. Merci beaucoup. Et s'il y a d'autres interventions, question à M. de Boissieu, n'hésitez pas. Peut-être une pour dire que les plans de relance, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'ils arrivent à s'interpénétrer et à interagir, puisqu'en fait, nous allons être dans les plans de relance dans des temporalités différentes. Alors, nous, sur les côtés régions, ce que nous sommes en prise directe et qu'il y a des attendus très forts et que nous absorbons la casse assez vite, c'est-à-dire que l'État joue sa pleine responsabilité pour sauver les grands fleurons nationaux. Air France, Airbus, Renault. Mais les fleurons régionaux, ils sont hors radar. Donc nous, nous avons une espèce d'obligation d'agir assez vite et de sortir des plans là prochainement, qui sont des plans de relance à très moyen terme. Donc par exemple, moi, je vote mon plan le 10 juillet. Et il va falloir être ingénieux pour que ceux-ci s'inscrivent d'une manière à la fois assez précise, mais quand même assez large en termes de vision, pour qu'on puisse demain aller se sourcer sur le plan stratégique de l'État et des moyens que l'État mettra à disposition, et ensuite sur le plan de l'Union européenne et des fonds dont il aura besoin. Donc cette mécanique des idées,
elle va être à la fois très intéressante, mais elle est impérieuse. C'est-à-dire que si on avance chacun de notre côté, on va un peu dans le mur et on ne fera pas de relance. Donc, nous, en tout cas, on est plus petit échelon, on a besoin d'être agile très vite, et donc on va essayer d'être agile très vite avec des ouvertures de portes pour que dès que les grands plans, qui seront les plans qui vont évidemment avoir le plus d'impact, vont pouvoir nous nourrir et nous donner un peu plus de force. Voilà, je voulais encore redire cela pour dire que les échelons se parlent bien, mais évidemment, on peut toujours se parler plus. Merci. J'ai vu que Florence levait la main. Voilà, je passe le micro, du coup. Merci beaucoup. Très rapidement, donc, Florence Weilbruch, je suis française établie à l'étranger, et donc je vous suis depuis la Bulgarie. Je suis également présidente de l'Institut du Balkan du développement durable. Donc, j'entends effectivement le débat depuis tout à l'heure sur les questions de relance, cohésion, innovation et tout autre lié au développement durable. Je constate, et je pense que personne n'ira me contredire, que nous sommes vers un nouveau business model en fait, de nos entreprises. Ma question ouvertement en tant que Française établie à l'étranger, c'est on sait très bien que l'influence de la France et le rayonnement de la France, un des chemins de rayonnement de la France à l'étranger, c'est bien nos entreprises qui sont en dehors de notre territoire. Donc, question, comment vous pensez évaluer justement, et là je rebondis sur l'intervention de M. Bolo, évaluer toutes ces actions de nos entreprises concernant le développement durable. Est-ce que au niveau européen, nous sommes en mesure de lancer justement peut-être une démarche commune, pas forcément sur les trois piliers, mais en utilisant les ODD? Merci beaucoup. Merci. Est-ce que du coup, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Moi, je suis désolée, je n'ai pas entendu la fin de votre question. J'ai ma fille qui fait plein de bruit derrière. Il n'y a aucun souci. L'idée, c'était est-ce qu'on est en mesure en fait, de lancer une vraie évaluation, pas simplement sur les trois piliers, mais sur les objectifs du développement durable? Parce que je pense que là, on a une démarche effectivement plus cohérente et compréhensible par tous. Dans le cadre de cette cohérence en fait, dont vous avez évoqué tout au long des débats. Je pense que Philippe répondra sur la partie évaluation. Juste sur la partie cohérence, c'est évident que, et pour rebondir sur ce que disait Léla Merabé à l'instant, effectivement, notre rôle aussi, nous, en tant que parlementaires européens, c'est justement de faciliter cette convergence. Parce que si on va justement dans des directions totalement différentes, nous n'arriverons pas, comme ça a été exposé aussi au début de notre échange, à faire émerger ce véritable modèle social européen qui a un rôle et une voix singulière sur la scène internationale. Donc, tout notre travail au travers du plan de relance et après du semestre européen, c'est favoriser cette convergence pour assurer les transitions, pour répondre aux objectifs justement sur la transition écologique, mais aussi bien évidemment sur la question du numérique, tout en étant dans la perspective des objectifs justement du développement durable, où tout est dit, et ça revient aussi aux échanges qu'on avait tout à l'heure, et Bruno le rappelait tout à l'heure, où la famille centriste à l'Assemblée nationale, et c'est aussi le cas au Parlement européen, et bien sur ces deux jambes, sur le volet voilà, justement économique, mais faire en sorte que personne ne soit laissé de côté, et c'est bien ce qu'on essaye de mettre en place à travers ce plan de relance qui doit ne laisser personne au bord de la route et aucune de nos entreprises. Et aussi par rapport à ce que vous venez de dire sur le fait que nos entreprises font rayonner la France aussi dans toute l'Union européenne, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et je voulais rebondir sur ce qui a été dit sur par Christian de Boissieu sur le volet de la politique de concurrence. C'est évident qu'il faut qu'on réforme cette politique de concurrence. On en parlait déjà beaucoup quand on est arrivé au Parlement européen avant le Covid-19. Et ça, c'est capital. Et puis, il faut la réformer parce que le tissu de nos entreprises à l'échelle de l'Union européenne, ce sont des PME majoritairement. Donc, je suis totalement d'accord aussi avec lui qu'il faut qu'on fasse émerger des géants européens sur des secteurs justement stratégiques, notamment donc, quand il évoquait les GAFA, c'est évident que ce n'est pas seulement à l'échelle de la France que ça peut se faire. Donc, on a tout ce travail-là
qu'on est en train de mener à l'heure actuelle. Alors, je veux bien compléter en une minute. Donc, vous avez compris, vous savez tous, hein, qu'une politique publique, c'est des enjeux. Donc, la politique est faite pour répondre à ces enjeux-là. Elle va définir des moyens qui vont apporter des résultats qui vont se traduire par des impacts, qui sont naturellement attendus pour répondre et apporter des réponses aux enjeux de départ. Donc, je ne vois pas de difficulté méthodologique sur l'évaluation que vous appelez de vos voeux, sachant qu'il s'agit d'inscrire un critère de pertinence et de regarder si les politiques mises en œuvre répondent de manière pertinente aux enjeux que vous avez soulignés. Alors après, il y a quand même une petite difficulté méthodologique, c'est qu'après, ils sont nombreux ceux qui vont s'emparer de ces politiques-là pour les décliner chacun à l'échelle de leurs activités, de leur territoire, etc. Mais bon, il est tout à fait possible de créer des indicateurs agrégés qui permettent d'aller calculer la proportion de ceux qui suivent la politique ou de ceux qui ne le suivent pas et d'évaluer cela dans le temps, voyant quelle trajectoire ça va suivre, à la stabilité, à la baisse ou à la hausse. Donc, c'est possible. C'est juste une histoire de méthode et de volonté d'appliquer cette méthode. Oui, juste Louis, pour répondre oui. Peut-être à Florence aussi, puisqu'elle parlait d'objectifs de développement durable. Alors, évidemment, il faudrait qu'on ait, comme vient de le dire Philippe, une espèce de critérisation et qu'on se base sur les objectifs de développement durable et qu'on ait une évaluation pour chaque objectif, pour les 17 objectifs. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote assez marrante. Il y a, je crois que c'est Redon, j'en suis pas sûr, mon cher Louis, mais je crois que c'est la ville de Redon, qui a effectivement basé toute sa politique municipale sur les ODD. Et ils ont comme ça une évaluation pour chacun des objectifs de développement durable. Eh bien, ils se notent eux-mêmes et ils voient les progrès qu'ils ont à faire sur chacun des objectifs de développement durable. Je pense que ce qui est faisable au niveau d'une commune peut être faisable d'une manière beaucoup plus importante. Et puis, une petite information pour Lila, après j'arrête de parler, puisqu'elle parlait d'ingénierie tout à l'heure. Dans le cadre de la nouvelle décentralisation qu'on veut mettre en place, il y a eu la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Interpellez-la, parce que franchement, il faut qu'elle se mette en route maintenant, parce qu'elle existe. Et petite dernière information à ce sujet, le CEREMA qui n'obéissait finalement qu'aux politiques de l'État et qui était là pour expertiser les politiques de l'État, veut maintenant, et ça fera partie des articles qu'on aura à traiter dans la loi 3D, différenciation, déconcentration et décentralisation, le CEREMA voudrait ouvrir de manière systématique ses expertises aux collectivités et je pense que ce sera d'une grande aide pour les collectivités. Voilà. Merci beaucoup. Je termine juste en partageant une information. Nous avons ici en Bulgarie une entreprise française que je ne citerai pas, qui a initié une évaluation sous des indicateurs, les 234 indicateurs donnés par l'ONU. Et donc, on aimerait bien effectivement déployer ce type de démarche d'évaluation au niveau plus large. Mais ce sera peut-être un prochain débat. Merci. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Alors, avant de raccrocher, il nous reste une petite minute. Je passe la parole à Christophe pour conclure. Oui, merci Louis, merci à vous tous pour ces très riches contributions. Et je voudrais peut-être, comme j'ai commencé par le faire au tout début de ces échanges, finalement noter que dans tout ce que vous avez dit, on retrouve une très forte concordance des temps entre ce que fut la culture politique centriste de ces trois républiques déjà présentées et celle des propositions que vous faites aujourd'hui. Alors, bien entendu, on pourrait en discuter tel ou tel aspect sur le plan de la théorie centriste, si je puis dire, mais globalement, on retrouve bien ces convergences. Et alors, rapidement, qu'on parle du libre-échange, qu'on parle du redéploiement économique sur les territoires, de l'innovation, de la compétitivité, de la performance, et même de l'évaluation des politiques publiques, il y a des éléments que l'on retrouve dans cette histoire-là. Sur le libre-échange, on l'a vu tout à l'heure, les centristes ni ne le rejettent, ni ne rejettent le protectionnisme, mais ils trouvent une formule dans le libre-échange ordonné. Et je voudrais vous citer simplement une phrase qui est indiquée dans ce fameux petit livre bleu dont parlait Jean-Jacques, l'autre solution, le voici, ça c'est les sources. Il serait alors possible au niveau européen d'adopter un certain... C'est un trésor, hein, c'est un trésor ce petit bouquin. Un trésor, absolument. Il serait alors possible d'adopter un certain protectionnisme pour protéger les industries encore trop faibles pour affronter les monopoles de fait dans certains grands pays. Donc, un libre échange ordonné, qu'on peut appeler autrement aujourd'hui, mais qui est effectivement
au centre, en tout cas au milieu des deux conceptions. Sur le redéploiement économique dans les territoires, c'est exactement de la même manière que les choses sont vues dans ce programme de 77, alors avec naturellement le langage de l'époque, décentraliser pour mieux vivre, où il faut une convergence entre l'économie de dynamisme et l'économie de bien-être. Et on parle non pas des contrats que M. Millienne vous avait évoqués, mais on parle des contrats de pays déjà, des contrats de pays, des contrats villes moyennes, pour éviter que les industries se concentrent dans les grandes villes et du coup, en quelque sorte, ne déploient pas l'activité ailleurs. On pourrait en dire davantage, car il y a un long développement là-dessus. Également pour l'innovation, notamment sur l'utilisation des nouvelles technologies, je n'y reviens pas. Je voudrais juste dire un mot à Philippe Bolot sur l'évolution, l'évaluation des politiques publiques, qui est un terme effectivement très important aujourd'hui. On s'aperçoit qu'aux élections législatives de 1967, où la majorité gaulliste et centriste ne l'est que de quelques voix, le groupe centriste décide d'organiser, d'ouvrir un groupe de réflexion avec ses députés sur l'évaluation des politiques publiques. Alors, il n'a pas eu naturellement le rôle peut-être qu'il aurait dû avoir au départ, mais c'est la première fois qu'on crée un groupe comme celui-ci d'études à l'Assemblée nationale sous l'égide, en quelque sorte, des centristes. Et puis, pour répondre à Christian de Boissieu, à Christian sur la conception de notre centrisme en France, que tu estimes être très allemand, en fait, je pense, hein, ça n'engage que moi, mais que le centrisme dans l'histoire de notre pays a longtemps été assimilé à la démocratie chrétienne. Dès lors, nous ne pouvons qu'avoir des similitudes avec l'Allemagne. Et je dirais même plus, puisque son nom a été évoqué plusieurs fois, avec les démocraties chrétiennes, les centrismes des autres pays comme le Luxembourg. Je pense que Jean-Claude Juncker se serait complètement reconnu dans les propos. Et petite anecdote pour terminer, lorsque le programme L'autre solution a été présenté, je me souviens de Jacques Barrot nous dire qu'il avait reçu dans son bureau de ministre de la Santé le jeune Jean-Claude Juncker, président des chrétiens sociaux de Luxembourg, qui venait en quelque sorte discuter des convergences des programmes des deux pays. Et ce jour-là, il ne devait pas parler de cette chose-là, il devait parler d'une usine qui était construite à la frontière avec le Luxembourg et que le Luxembourg dont le Luxembourg ne voulait pas les conséquences polluantes. Et c'était pour ça qu'il était venu parler aux Français. Bon, la discussion s'est engagée sur d'autres choses, notamment sur la démocratie chrétienne et sur ce programme. C'était un petit clin d'œil à tout ce que vous avez pu dire les uns et les autres. Et je voulais à nouveau vous remercier tous. Et à Olivia, si je te donne la parole. Uniquement, effectivement, pour remercier infiniment tous les participants pour cette très riche discussion à la fois technique et extrêmement accessible aussi. Et donc, c'était vraiment très utile dans ce temps troublé que l'on connaît de converser aussi de manière aussi approfondie. Et bien sûr, on continuera tout au long des ateliers à réfléchir ensemble à ces questions. Donc, on vous invite, si vous le souhaitez, à revenir dans les prochaines rencontres. Et donc, on continue. Prochain atelier. 26 juin sur Société Solidarité, puis 1er juillet Europe Relations Internationales, 2 juillet Laïcité, Démocratie et Citoyenneté, donc les trois ateliers qu'on appelle en plénière parce qu'on a l'ensemble du groupe. Et puis nous développons aussi un certain nombre d'auditions individuelles de parlementaires sur des thèmes plus spécifiques et qui nourriront l'ensemble des pré-rapports de chacun des quatre ateliers qui seront présentés à la mi-juillet. Nous aurons bouclé la première année qui est née à Guidel de notre université 133 et avec toutes vos contributions, nous en sommes très contents. Mm-hmm. Merci beaucoup en tout cas pour votre disponibilité. Merci à vous. Comme c'est polysémique, ça aura merci. Des liens avec cet atelier-ci aussi. Et preuve a été faite qu'on était bien centristes finalement. Finalement, c'est ce qui nous préoccupait quand même quelque part. C'est ce que l'on cherchait à vérifier. C'est qu'il fallait démontrer. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.